Bonsoir au peuple de la résistance. Maman, la classe est déjà pleine. Presque tous les élèves sont là, mais il y a quelques élèves qui manquent. C'est le contrôle. Hein? Le contrôle ce soir. Donc, bipez ceux qui manquent là, parce que sinon, ils auront zéro. Hein? Donc, il faut. Oh, il faut sauf que les bipez. Maman, j'avais déjà oublié de brancher l'ordinateur. Bon. S'il vous plaît, bipez tous les talibans tracés et nomades. Parce que moi-même, je suis talibane crasseuse et nomade. Donc, bipez-moi tous les talibans crasseux, les talibanes crasseuses et nomades. Et bipez tous ceux qui ne. Parce que c'est le devoir. On va voir ceux qui prennent les notes, ceux qui étudient leurs leçons. Bon, j'ai préparé ceci. Vous allez me dire ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Co-partager. Bonsoir, grand-mère Mems. Bonsoir. Tout est grâce. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec? Hein? Parce que quand on attaque la révolution, ben, on attaque, hein? Quand on attaque le peuple de la résistance, on attaque. Quand on attaque la Talibanie, on m'attaque. Donc, merci beaucoup, Daniel Chokang Chuala. Effectivement, c'est une balance. C'est une balance, donc on va se peser. Voilà, peser personne, exactement. On va se peser là tout à l'heure. On va se peser parce que hey, la résistance, c'est une blague pour... La résistance est attaquée. On dit que on est les crasseux. Oh. Donc, il faut qu'on se pèse. Bon, j'ai fait ce direct parce que, comme je vous avais promis, un instant, je prends les mouchoirs. Comme je l'ai toujours dit, j'ai horreur du tribalisme de tous les côtés. Hein. De tous les côtés. Voilà pourquoi je l'ai intitulé zone tampon. Zone tampon parce que quand il y a la guerre entre deux groupes ou deux pays, le pays qui essaie un peu de calmer les hostilités ou bien la zone qui sert un peu à calmer les hostilités s'appelle ainsi. Bonsoir à Maureen l'Africaine. Bonsoir à ma Talibane. La plus belle. Donc, la zone qui sert souvent à calmer les conflits s'appelle toujours la zone tampon. Comme vous le savez, depuis quelque temps, il y a des dérives. Hein? Le tribalisme existe partout, dans tous les pays. Les discriminations existent partout. Mais depuis quelques années, avec l'arrivée des réseaux sociaux... Tu n'es pas doucement au nom. Hein? Avec l'arrivée des réseaux sociaux, ça s'est aggravé. Donc, de plus en plus, à la moindre chose, les gens n'hésitent pas à rentrer dans le tribalisme et à confondre tout. Donc, j'ai intitulé ce direct. Merci beaucoup pour Frida Laporte. Merci à Frida Laporte qui est en train de taguer tout le monde. Donc, j'ai intitulé ce direct. Recadrons le combat. Non au tribalisme, et que lorsque on s'attaque aux talibans, lorsqu'on s'attaque à la résistance, lorsqu'on s'attaque à la révolution, alors c'est clair qu'on s'attaque à Chasserie Kaslay. Parce que nous sommes de la révolution, nous sommes de la résistance. Donc voilà pourquoi je fais ce direct. Alors j'ai suivi, je ne la suivais pas souvent, la personne que je suivais de temps en temps, c'était l'étoile cribienne. Et... La dernière fois quand j'ai fait ma sortie, je crois il y a 2 ou 3 jours, je n'avais pas parlé spécifiquement du cas de l'étoile cribienne parce que je n'aime pas parler des choses que j'entends. J'aime suivre de bout en bout pour mieux analyser. Alors après avoir suivi son direct aujourd'hui, je crois qu'elle s'est juste trompée d'analyse, mais je ne peux pas la ranger dans le... Je ne peux pas encore la ranger dans le groupe... Des tribalistes. Je peux juste dire qu'elle s'est trompée d'analyse à partir du moment où elle a pris pour parole d'évangile les premières déclarations comme quoi la dame qui a perdu sa fille, dont la fille a été tuée, ne s'était pas arrêtée au contrôle. Donc, elle est partie d'une fausse analyse. Elle n'a peine à tenu compte que d'une seule hypothèse. Et ça ne, c'est, pour moi, c'est très peu. C'est très peu pour dire d'elle qu'elle est une tribaliste. Par contre, quand j'ai suivi les propos de cette Souze, la comédienne, que je ne suis pas souvent parce que je suis tombée quelquefois sur ses directs,
Et j'avais l'impression tout de suite qu'elle n'est pas quelqu'un de vrai. Parce que, vous savez, comme je dis toujours, moi j'ai horreur des gens qui font dans le populisme, des gens qui disent aux choses. J'avais suivi un jour un direct où elle disait aux femmes de donner aux hommes. Pourquoi les femmes ne donnent pas aux hommes? Il faut donner, il faut donner, il faut donner et tout. Bon, j'ai dit, bon, ça c'est du n'importe quoi. Et voilà, donc je ne la suis pas souvent. Alors quand j'ai fait le direct l'autre jour, je n'avais pas encore suivi ses propos. J'ai eu le temps de les suivre au travers des directs des autres, hein, parce que ce qui est sûr, elle a beau s'enorgueillir, mais si elle était tellement fière de ce qu'elle avait fait, apparemment les directs là ont disparu, donc elle a dû les effacer. Et je me demande alors pourquoi elle les efface. Pourquoi elle les a effacés? Bon, actuellement, elle a fait un direct, parce que ce jour-là, je crois qu'elle a fait deux directs. Elle a d'abord fait ce direct-là où elle a injurié, où elle a dit que les talibans sont des crasseux, les talibans sont des nomades, les talibans sont ci, les talibans sont cela. J'ai donc fait une publication pour dire que, ok, les talibans sont des crasseux, ils sont des nomades. Mais toi, qu'est-ce que tu fais en Beng? Puisque être nomade, le nomade, c'est quelqu'un qui change d'endroit de vie. C'est quelqu'un qui est toujours, comme les Allemands disent, toujours unterwegs. Donc la personne est toujours entre deux pôles. La personne ne reste pas sur place. Nous tous qui sommes à l'étranger, nous sommes des nomades. L'immigration, c'est une manière de quitter son pays. C'est une manière de se mouvoir, de quitter sa zone habituelle et d'aller ailleurs, de vagabonder. Voilà pourquoi parfois on parle d'aventure. Même si tout le monde n'est pas venu dans le même carcan ou bien pour les mêmes raisons, toujours est-il que l'immigration, c'est une forme de nomadérie, si je peux dire ça comme ça. Alors, j'ai suivi assez de réactions parlant de qui la recadrait. Oui, j'ai bien posé la question. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que toi tu fais en Beng? Est-ce que ici en Europe, tu es autochtone? Moi, je ne comprends pas les gens qui ont quitté leur pays, qui vivent dans les sociétés européennes et qui sont encore tribalistes. Parce que même si on était tribaliste au pays, arrivé ici, vu tout ce que nous vivons ici, je crois que généralement, quand on se retrouve au boulot, à l'école, nous les Africains, de manière naturelle, on se soude les coudes. Parfois, quand on nous voyait même à l'université, tu ne pouvais pas dire qui est Camerounais, qui est... Bon, nous, on savait de par l'accent, mais les Blancs qui nous observaient avaient du mal à dire qui est Camerounais, qui est Guinéen, qui est Sud-Africain. Donc, ils voyaient seulement des Africains. Donc, je ne peux pas concevoir donc que si déjà les Africains en Europe sont généralement solidaires, je ne peux donc pas concevoir que entre nous, Camerounais, que certains disent aux autres que... vous êtes des nomades, c'est vous qui habitez chez les gens, c'est vous qui avez investi chez les gens, c'est vous qui travaillez chez les gens. Alors que toi-même, tu travailles en France. Tu es arrivé en France pourquoi? Parce que les gens qui sont à l'aise au Cameroun, ceux qui sont vraiment à l'aise au Cameroun, ne viennent pas en Europe. Parce que tout le monde veut profiter du soleil, tout le monde veut s'habiller, veut bien s'habiller. Quand on est en Europe, on perd un peu son style vestimentaire. Parce que quand on pense que on a beau mettre la plus belle tenue, on a beau mettre je ne sais quoi, il faut en plus ajouter à ça un gros manteau. Parfois, ça décourage les gens. On se retrouve en train de s'habiller ici comme des Bayamsel et autres. Surtout nous qui sommes en Allemagne là. Maman, quand tu vois une fille de l'Allemagne habillée, tu... c'est comme une Bayamsel. Quand on est arrivé ici, nous tous on avait des aiguilles là. On avait les aiguilles, mais tu sors avec ça un seul jour, maman. Dans les trains et tout, changement, les correspondances et tout, ça te chauffe. Tu changes seulement. On ne te dit pas. Tu commences seulement à porter les tennis et autres. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi. C'était au nom de quoi? Certaines personnes arrivées en France ou en Allemagne pensent qu'elles sont chez elles et elles se permettent de dire de tout et du n'importe quoi. Tu arrives en France, selon ces dires, j'ai suivi quelques de ces directs-là. Elle est arrivée en France, pays des opportunités, société qui peut déceler le talent de quelqu'un. Elle a pu faire sa formation, elle a son boulot. Mais si le Cameroun était aussi bien que ça, si chacun devait rester chez soi, qu'est-ce que tu fais en France? Tu serais aussi resté en France que les pouvoirs publics d'Angola auraient détecté ton génie et que le travail que tu fais ici, tu l'effectuerais plutôt au Cameroun. On allait dire que oui, voilà une fille qui aime son pays. Il y a des gens qui viennent ici en congé, ou bien qui viennent pour rester. Après 2 mois, ils repartent au Cameroun.
Tu comprends que oui, ça, ce sont des gens qui aiment leur pays. Vous êtes en Europe, vous souffrez en Europe, vous souffrez du froid, vous souffrez de la nostalgie, et vous êtes les premiers à dire aux gens, aux autres Camerounais, restez au Cameroun, que c'est vous qui êtes chez les gens, c'est vous. Déjà, elle a confondu tout. Bon, on va la suivre, hein. On va la laisser parler. Je ne vais pas répondre à ce que tout le monde a déjà répondu. J'ai vu Bertini a répondu, Karine Richaud a fait deux directs, elle a répondu, Mamouchka a répondu, même si, voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Mais on va sur l'autre direct là, que peut-être les gens n'ont pas encore suivi, où elle est en robe rose, parce que les autres directs même, je ne les retrouve pas. Bon, elle a dit un truc comme quoi, est-ce que les talibans payent les impôts? Bon, si les talibans ne payent pas les impôts, c'est la faute à qui? Il y a un État qui est censé bien fonctionner. Dans un État de droit, on veut à ce que les citoyens payent les impôts. Puisque c'est avec l'argent des impôts, là, qui est l'argent de tous les Camerounais, qu'on appelle l'argent du contribuable. Puisque l'impôt, ça fait partie des contributions. Hein? C'est avec cet argent-là qu'on développe un pays, en dehors de l'argent issu de la vente des matières premières. C'est avec cet argent-là. Et si maintenant, les gens ne payent pas les impôts, pour X ou Y raison, mais à qui la faute? Au gouvernement. Au gouvernement. Parce que pour qu'il y ait corruption, il faut un corrupteur, il faut un corrompu et il faut le moyen de la corruption. Hmm? Donc, elle a encore dit quoi? C'est vous qui habitez chez les gens, c'est vous qui avez investi chez les gens. Bon, normalement, tout Camerounais, partout au Cameroun, devrait se sentir chez lui. Tout Camerounais, partout au Cameroun, devrait se sentir chez lui. Et quand je l'ai dit, je l'avais même déjà dit plusieurs fois, je le dis tout le temps dans mes directs. Moi, je dis, si nous sommes en révolution, il est tout à fait normal que nous commencions à faire autrement qu'avant, ou bien que nos parents. C'est pour ça que révolution, c'est-à-dire que on change. Si les aiguilles allaient du sens de, on tourne plus sur ça de l'autre côté. Il n'y a pas une révolution sans le contraire de ce qui existe déjà. Moi, je l'ai toujours dit. Voilà pourquoi au départ, si vous vous rappelez bien, j'avais soutenu Bami Power. Quand Bami Power a dit que son but, c'était de développer l'Ouest, j'avais soutenu ça. Et je disais que pour éviter le chantage, parce que je connais ce chantage-là, c'est depuis des décennies. Hein? Dès qu'il y a un petit problème, portez vos immeubles, partez avec. Portez vos immeubles, partez avec. Au vu de ça, j'avais dit à l'époque que je suis pour qu'aujourd'hui, que nous commencions, y compris moi-même, que nous commencions à investir d'abord dans nos propres villages avant de chercher ailleurs. Si ce n'est que pour moi, Yaoundé, Douala, Kribi et tout, il faut laisser, il faut investir ailleurs, peut-être à l'Est et autres. Ça va permettre aussi qu'un peu partout soit développé, qu'on ne retrouve pas seulement les immeubles chics à Yaoundé, Douala et à Kribi. Mais comme nous sommes tous égoïstes parce que nous voulons là où ça va payer. C'est-à-dire que quelqu'un regarde, je l'ai toujours dit dans mes directs, généralement les gens se disent, si je vais déposer un immeuble en Diki, les loyers vont me donner combien? Pourtant si je dépose le même immeuble à Yaoundé, à Douala ou à Kribi, j'aurai le triple du loyer et tout. Mais on ne fait pas la révolution avec l'égoïsme. On ne fait pas la, je le dis toujours dans mes directs. Voilà aujourd'hui, moindre chose, portez vos immeubles. Si les Bamileke portent tous les immeubles de Yaoundé, Douala et de Kribi, Yaoundé, Douala, Kribi deviennent des villages. Je l'ai toujours dit, il faut quand même savoir dire la vérité. Oh, on va vous chasser. Eh, c'est vous qui avez à perdre. J'ai suivi des choses pas possibles. S'il vous plaît, on commence par elle. On commence par elle. Il y a un autre gars là, je ne sais pas où c'est le tcha, où c'est le tchop, où c'est le quoi là. J'ai suivi des choses pas possibles. Vous avez beaucoup plus à perdre. Mais si on chasse tous les Bamileke de Yaoundé, Douala, Kribi et de toutes les autres zones, la famine va vous tuer puisque vous ne savez pas vous lever à 4 heures. La famine va tuer les Camerounais. C'est tout le monde qui a à perdre. Il faut arrêter votre chantage là que, oh, si on vous chasse, vous avez beaucoup plus à perdre parce que c'est vous qui avez beaucoup plus à investir. Les boulangeries, ce sont les Bamileke. Les quincailleries, ce sont les Bamileke. Si les Bamileke là partent de toutes ces villes-là, vous n'aurez même pas les cadenas pour fermer vos portes. Vous n'aurez même pas les cordes pour faire descendre vos cercueils dans la tombe. Vous n'aurez même pas les cordes pour attacher vos moutons. Donc arrêtez de dire que s'il y a des problèmes, c'est vous plutôt qui allez perdre plus et tout. Tous les Camerounais vont perdre. Tous les Camerounais vont perdre. Donc on la suit, hein. Et puis on va passer un peu. On va lui répondre selon sa folie.
Continuez de partager ce direct. Moi, je vous ai dit, je suis contre le tribalisme. De tous les côtés, je suis contre le tribalisme. Le débat n'est pas les Bamileke contre le reste des Camerounais qu'on appelle, ou bien qu'ils appellent eux les Bamileke, qu'ils appellent les Nkwa. Ce n'est pas ça le débat. Ne nous amenez pas là-bas, parce que c'est là-bas que les pouvoirs publics veulent nous amener. Le combat, c'est l'oligarchie multitribale. Dans le gouvernement, on trouve tous les groupes ethniques. L'oligarchie multitribale est la nouvelle génération qui veut le changement. C'est ça le débat. Et les gens qui veulent le changement sont de tous les groupes ethniques. Ceux qui sont au pouvoir, qui profitent, la minorité qui profite des riches depuis presque 50 ans, sont presque de toutes. Mais je l'avais toujours dit. Je l'avais toujours dit. La bonne charité commence par soi-même. Si j'ai l'argent pour 5 immeubles, je mets d'abord un ou deux immeubles dans mon village. Mais quand j'avais dit ça, beaucoup de gens avaient dit que ah, tu es tribaliste, ah, ça veut dire quoi? Oh, non, non, non. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Tu ne peux pas être le menuisier et tu manques la chaise chez toi. Jamais. Mais aujourd'hui, ce sont nos propres frères de l'Ouest qui ont rendu l'Ouest juste pour les funérailles, les mariages et autres. C'est de ça qu'il s'agit. Et voilà le chantage, il faut que ça change dans les 10 prochaines années. Investissons dans d'autres. Même si ce n'est pas forcément. Il y a l'Est, il y a beaucoup. Les histoires de Yaoundé, Douala, Kribi, là, si ce n'est que pour moi, on n'a plus à investir là-bas. Que eux-mêmes, nous, on peut investir ailleurs et drainer le monde. Il faut juste réfléchir, innovation. Qu'est-ce que je peux faire qui va attirer les gens à venir? Il faut des originalités, il faut des spécialités qu'on ne retrouve pas partout. Je vous avais pris, lors d'un dernier direct, l'exemple de notre frère. Bien sûr, Maureen l'Africaine, je l'ai déjà expliqué, tribalité c'est différent de tribalisme. J'avais pris l'autre fois l'exemple de notre frère qui a fait le village du tourisme à Bana. Ayant constaté que Douala Yaoundé, tous les immeubles, les hôtels sont en forme d'immeubles. Lui s'est dit qu'il allait faire un village hôtelier où il allait mettre les maisons un peu comme des petits pavillons avec des zones de pêche et autres, où les gens se sentiraient comme dans leur propre village, mais alors que c'est un concept hôtelier. Il faut seulement avoir une idée originale. Et puis ça passe. Aujourd'hui, il est félicité. Tout le monde est émerveillé par cette idée-là. Mais tu vas voir, certaines personnes vont te dire quand il n'y a pas les routes, quand il y a les montagnes, quand c'est loin, quand c'est ceci, quand c'est cela. Il n'y a pas de loin dans ça. L'Afrique ne fait qu'évoluer. Voilà déjà les gens qui ont des jets privés et tout. Donc, on suit ce qu'elle dit. Je ne vais pas commenter les autres. Tout le monde a déjà parlé des autres propos qu'elle a eu à tenir. Donc là, elle a fait un autre direct pour se vanter. Donc, on va voir. On suit ça et puis on va aller chez où c'est le tcha, où c'est le tcho, où c'est qui. Bonjour, comment allez-vous? Voilà, j'ai aussi un côté où... dans la fière. Dit, moi, je ne suis pas le genre de personne. Moi, je ne provoque pas. Je ne suis pas quelqu'un qui provoque. Mais quand on me provoque, je riposte. C'est comme ça. On ne me manque pas le respect sur ma page. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on arrive sur ma page, on ne me manque pas le respect. Vous le savez. Même quand les maîtres marabouts arrivent ici, je mets tout le... Ah, pardon, laisse passer, vous avez votre sorcellerie là. Ça plante, mais ça va venir, ça télécharge, je pense. Ma page, on ne me manque pas le respect, vous le savez. Même quand les maîtres marabouts arrivent ici, je mets tout. Continuez de partager le direct. Mais pourquoi ça plante là maintenant? Non, les écrans prennent le fauteuil présidentiel comme un bien personnel. Non, ce sont des erreurs. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais, à tous les groupes ethniques. Le Cameroun n'est pas la propriété exclusive d'un groupe de personnes. Ce n'est pas ça. Il faut qu'on arrête ça. Ils ne savent pas. Donc, le temps que vous montez les vidéos, faites les vidéos, vous allez m'envoyer dans l'année, vous allez insulter. Je n'ai pas le temps, je ne réponds pas aux femmes. Voilà. Je ne clash pas. Je suis pas. Elle ne répond pas aux femmes. Elle ne clash pas. Bon, apparemment, elle aurait suivi peut-être les directs de Karine Richaud ou je ne sais quoi. Elle ne répond pas aux femmes. Elle ne clash pas. Donc, on suit, hein.
quelqu'un qui clash, voilà. Mais quand j'ai un mot à dire, je le dis. J'ai vu plusieurs posts, les gens m'ont envoyé les posts. Voilà, il y a une dame qui fait quoi, 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 comme la ou c'est la grenouille qui fait ça là. Bah, Carmena, qu'elle chante. Bon, bref, un bon coucou, un gros coucou à elle. Voilà, pour clasher une femme, il faut beaucoup. Pour je ne clash pas les femmes, mais il y a une femme qui fait quoi, 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 comme une grenouille. On dit qu'elle chante. Je ne sais pas si elle voulait parler de Majoie Aïe. Parce que pour eux, Majoie Aïe, c'est une pleurnichante, puisqu'elle a demandé pardon. Donc, je pense que c'est de Majoie Aïe qu'elle parle. Jusque dans la révolution, là, personne ne chante. Donc, parmi les talibans, personne ne chante. Donc, le fait que Majoie Aïe ait demandé pardon, je pense qu'elle parle de Majoie Aïe. Donc, vous suivez, elle continue dans son orgueil. Alors qu'on voit très bien que, dans son visage, le ton a diminué, le débit même des paroles a diminué. Donc, elle sait déjà qu'elle a fait fort. La preuve est que je ne retrouve pas ses directs. Elle a effacé certains directs. Mais quand même, l'orgueil fait qu'elle continue dans la bêtise. Elle insiste dans la bêtise. Parler d'une personne, il faut beaucoup. Non, il y a beaucoup de gens qui confondent. Si elle n'avait pas parlé de Valsero, j'allais me dire qu'elle confond Taliban et Bamileke. Même dans le combat, il y a beaucoup de gens qui confondent ça. Des gens comme Dambet, qui ne voient pas la différence. Quand on parle des talibans, quand on parle de la base, quand on parle de la résistance, on parle de tous ceux qui veulent le changement au Cameroun. Puisque dans la talibanie, elle a bien dit que votre général taliban, même c'est mon frère, parlant de Valsero. Donc en parlant des talibans, elle ne parlait pas seulement des Bamileke. Parce que si elle avait seulement parlé des Bamileke, j'allais me dire que oui, elle confond. C'est le tribalisme, mais elle confond. Mais non seulement il y a le tribalisme, mais elle s'est attaquée à deux choses. Elle s'est attaquée à un groupe ethnique, ou bien un grand groupe ethnique, les Bamileke, et elle s'est attaquée à la résistance. Puisqu'elle est même allée jusqu'à dire que si Valsero fait mouak. Et c'est là où j'ai dit que, mais elle se prend pour qui? Jusqu'à menacer Valsero que, et Bébola Zamba, si Valsero fait mouak. Suivez, non, suivez vous-même. Donc, je suis vraiment désolée. Partagez, on va faire le sport. Parce qu'on nous insulte de grâce. Allez apprendre à chanter. Parce que je vois faire comme une vieille casserole. Quoi, 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 hey. Quoi, quoi. Moi, je suis une villageoise. J'ai grandi au village. Dans mon village, à cette heure-ci, là, c'est les grenouilles. Quand tu vas au marigot te laver. Moi, je n'ai pas connu les douches internes. Et voilà, comme vous, nous, on allait au marigot, on allait se laver. Et à partir de 18h30, 19h, c'était les chansons des grenouilles. Ouah, ouah. Voilà, elle est en France. S'il vous plaît, tapez à Google. Les élèves du Sissongo, dites-lui comment on appelle ça. Est-ce que la grenouille chante? Elle est en France, hein? Est-ce que la grenouille chante? Tapez dans Google, écrivez, s'il vous plaît. Je vous ai dit que je vais maintenant voir les gens qui font leurs leçons. Quand on parle des grenouilles, on dit que la grenouille fait quoi? La grenouille chante. Les grenouilles classent. Elle en France, quoi, quoi, quoi. Il y a une femme qui chante et comme les grenouilles, quoi, quoi, quoi. Les grenouilles classent. Elle est en France et moi je suis en Allemagne depuis, mais je me rappelle encore de certaines choses. Voilà les gens qui viennent insulter les talibans, que nous sommes, qu'on est les crassos, on ne connaît rien, on est les nomades. Donc on va faire le défilé de mode. Parce qu'il faut qu'elle sache que les talibans, elle a dit qu'elle est trop belle. Continuez de partager, on la suit, hein. Elle dit que les grenouilles chantent. Voilà, c'est la villageoise qui vous émite ça. Voilà, je pense que c'est ce que la dame l'a fait. Au lieu de me clasher, madame, allô, chanter. J'ai aussi vu une autre là qui parlait beaucoup comme ça. En fait, je n'ai pas le temps, s'il vous plaît. Je n'aime pas le temps parce que voilà, il y a des choses, il y a un style de personnes. Quand tu les vois clasher, tu te dis, madame, placez-vous debout et voilà, clasher. Avant de clasher une femme, tu regardes d'abord la femme, tu te dis, voilà. Une femme. Hey! Elle dit qu'avant de clasher une femme, on doit d'abord regarder la femme. Bon, nous, on est les talibans. Est-ce qu'elle m'a d'abord regardé? Quand elle a parlé des talibans, est-ce qu'elle a regardé Chasserie? Quand elle a seulement dit que crasse, qu'on nomade, qu'on crasse, qu'on nomade, non? Est-ce qu'elle a regardé? Hein?
Il y aura le défilé de mode. Parce que parfois, non, chez nous, je ne vous mens pas, dans mon village, quand les femmes se querellent, elles disaient que vous savez quoi, pour que la querelle s'arrête, on va aller se laver au marigot. On va enlever les habits, on compte même jusqu'au poil. Et après, la sentence tombe. Qu'on partage direct. Que la taliban tracée. On va voir, non? On va voir si elle est plus belle que moi, la taliban. On va donc voir si elle est plus belle. Patrick Atangana. On va donc voir. La beauté est relative, mais on va voir. Suivez. Tu n'as pas des faux ongles. Voilà, ça montre au moins ce qu'elle est vraie. Bon. Il ne faut pas que la femme ait les faux ongles. Maman, les défis de ça. Bon, chasserie a les faux ongles. Donc, c'est un défi que j'ai déjà relevé. C'est ça même. Ah! Elle dit qu'il ne faut pas avoir les faux ongles. Il ne faut pas avoir les faux ongles. Je n'ai pas les faux ongles. On continue. Maman, les défis de ça. Pardon, ne me faites pas honte. Il faut qu'on fasse le sport. C'est mauvais. Hein? Les asticots nous manquent déjà le respect. Oui, mais c'est que les autres font. C'est elle qui nous a provoqué, non? Que les talibans sont crassés et les nomades, ce sont les nomades. Elle a dit qu'il ne faut pas, pour lui parler, on ne doit pas avoir les faux ongles. Je n'ai pas les faux ongles, donc moi je peux lui parler. On continue. Une femme qui ne fait pas l'ondiansan, ça montre qu'elle est vraie. Une femme qui se place de. Une femme qui ne fait pas l'ondiansan. Donc, moi je ne fais pas l'ondiansan. Donc. Bonsoir. Donc, moi, je ne fais pas le Jiangsan, donc je suis mieux placée. Donc, là, j'ai aussi gagné, là. J'ai aussi gagné. Je ne fais pas le Jiangsan, taliban traceuse. Je ne fais pas le Jiangsan. Elle est vraiment fine. Voilà, attendez, je vous montre aussi ma robe en passant. Hé, hey, maman, oh. Je vais vendre ma belle robe ici. Maman. Si vous ne savez pas. Ma belle robe ici, là. La robe ici coûte 150 euros. Voilà, mais sous l'autre, comme bon, vous voulez. Bon, ça, sale robe rose, là. Ça coûte 150 euros. Bon, la mienne a coûté à l'époque 500 des marques. Qui peut dire combien d'euros c'est? Maman, le sport de ça. La coche, 500 des marques. Ça fait 250 euros. Donc là, je la tape. Le Njansang, c'est le maquillage, non? Le Njansang, elle dit qu'il ne faut pas faire le maquillage, il faut être naturel. Donc, je suis naturel. On continue, maman, le challenge de ça. Les talibans, pardon, faisons le sport, c'est mauvais. Mes amis et ennemis talibans commandaient aussi, voilà, pour être classique, et voilà, et avoir la taille fine. Parce que pour clasher une femme, voilà, il faut quand même, voilà. Pour clasher une femme, il faut le porter tel le jacques. Quand on te regarde, on sent que tu peux clasher. J'ai une panne là, le ventre, mais le bébé, tu commences. Hey! Elle dit que les talibans ont les gros ventres. Bon, si on va à 5, je me déshabille. Je ne demande pas beaucoup. Je ne demande pas beaucoup. Partagez qu'aux 5 personnes, je montre mon ventre. Que partagez? Elle dit qu'il ne faut pas avoir le gros ventre. Que bon, hein? Bon, on soulève petit à petit. On soulève petit à petit. On soulève petit à petit. Hey, maman, il faut. Non. Il faut. Maman, les défis de ça. On va faire donc comment? Qu'on partage. On atteint 100. Partagez, maman. Non, il faut faire le sport, hein, c'est chaud. Sport résistance. Viens, malé. Ne soulève pas, chasser. On ne soulève pas comment? Vous n'avez pas dit que vous êtes fou ici dehors. Quand on va sauf que c'est d'aller à 100, on se déshabille. Ah, mais comment on va pas nous insulter comme ça, on laisse. Hmm? Je n'ai rien vu, je ne bois pas. Non, 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 non. Nous, on est en révolution. Donc, on a compris ces choses-là, qu'il faut faire le sport. Il faut te quoi? Hein? Il faut te quoi? Hein? Même comme j'ai le gigose là, on va montrer.
Elle dit que pour qu'on lui parle, il faut avoir le ventre plat. Malgré les footballeurs là. Hein? Quand on va montrer. Continuez de partager, partager. Mais ça monte, hein? Regardez, ça ne fait que monter. Qu'on partage. Mais il faut. Elle a raison. Comment vous pouvez faire la résistance avec les gros ventres? On va courir comment? Hein? Le point là, elle a raison. Mais montons, montons, montons un peu. Hein? Comment on peut. Hein, c'est comme les généraux camerounais, ils sont tous ventrus. Regardez comment un petit enfant de nos pitchs, il est terrorise. Hein? Est-ce qu'ils peuvent courir, vous aussi? Maman, que partager, ça ne fait que monter, partager. On s'en pourra clasher. On ne clash pas quand on est obèse. On ne clash pas quand on a les problèmes, je ne sais pas, psychologiques. On ne clash pas quand on est obèse. Quand les talibans, nous les talibans, on est obèse. Nos petits asticots aussi. Maman, quand. Pardon, suivez. On clash quand on est stable dans la tête. Moi, je ne clash pas les folles. Oh, quand elle ne clash pas les folles. On est déjà ici. Continue. Tout ça va quitter. Ça va sauf que quitter. Peut-être même qu'aujourd'hui le masque va tomber. Oh, laisse comme ça. Tu as la bosse. Laisse comme ça. Ça tue la chair. Ah, maman. Elle a même des collègues qui peuvent nous hospitaliser. Donc la clinique de papa, là, c'est une petite affaire, quoi. On continue. Le direct, s'il fait quoi comme ça? Ça plante, hein? Continuez de partager. Il faut faire le sport, hein? Vous voyez comment on nous manque déjà de respect? Qu'on n'a pas les ventres plats, oh. Qu'on crasseuse, oh. Qu'on nomade, oh. Dame, allô, si Dieu allait après. Voilà, clasher. Avant de clasher une femme, tu regardes d'abord la femme, tu te dis voilà. Une femme qui n'a pas de faux ongles, voilà, ça montre au moins ce qu'elle est vraie. Une femme qui ne fait pas l'audience, ça montre qu'elle est vraie. Une femme qui se place debout, elle est vraiment fine. Voilà, attendez, je vous montre aussi ma robe en passant. Hein. Je vous vends ma belle robe ici. Si vous ne savez pas. Ma belle robe ici là. La robe ici coûte 150 euros. Voilà, mes sous-lobes commandés. Mes amis et ennemis talibans commandés aussi. Voilà, pour être classique. Et voilà, et avoir la taille fine. Parce que pour clasher une femme. Voilà, il faut. Voilà, il faut quand même. Voilà. Pour clasher une femme, il faut reporter tel le jacques. Quand on te regarde, on sent que tu peux clasher. Viens pas là, le ventre, tu commences à vouloir clasher. On ne clashe pas quand on est obèse. On ne clashe pas quand on a les problèmes, je ne sais pas, psychologiques. On clashe quand on est stable dans la tête. Moi, je ne clashe pas les folles. Les folles, on les interne en psychiatrie. Moi, je ne clashe pas les folles. Donc, je ne vois pas. Il n'y a pas femme. Comme j'entends souvent les autres dire, il n'y a pas femme. Donc, elle pense qu'elle est normale. Elle pense qu'un être normal si vous avez vivre problèmes. En France depuis des années et dire encore aux gens, c'est vous qui êtes chez les gens, c'est vous les nomades. Toi, tu es venu chercher quoi en France? Il fallait rester dans ton village. Apparemment, tu n'es même pas une fille de Yaoundé, tu es peut-être une fille du Sud. Suivez très bien. Même d'obésité, venez me voir, je vais vous mettre au sport. J'ai une salle de sport, pas loin de chez moi. Oh, si on est obèse, on vient, on la voit. Donc, qu'on partage, on continue. Regardez comment ça monte déjà. Hein? Il faut qu'on prenne soin de nous. T'es quoi? Hein? On est déjà au niveau 6. Hein? Donc, il faut qu'on prenne soin de nous. Vous avez vu, non? Avec le cœur, ce n'est pas, je ne vous clash pas. Pas possible. Allô? Continuez de partager. Ils ont failli couper. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. On a failli être coupé là. Mais le direct, c'est à quel problème? Pourquoi ça vous dérange? Bien se préparer, être bien dans ses bottes.
Je ne fais pas la politique parce que je suis apolitique. Ah, elle ne fait pas la politique parce qu'elle est apolitique. Elle ne fait pas la politique, elle est apolitique. Comment ça, elle ne fait pas la politique? Et elle a parlé de des talibans. Tu ne fais pas la politique, tu parlais des talibans. On est taliban par rapport à la politique. On est taliban parce qu'on résiste au gouvernement. On est taliban parce qu'on veut chasser tous ces vieillards qui nous emmerdent. Hmm? Mettez les caisses. Mais le directeur là vous fait mal où? Voilà. Mais quand je vois quelqu'un voilà, qui se permet de dire des choses, quand vous ne comprenez pas vraiment, posez-vous les bonnes questions. Vous avez demandé, vous avez cherché l'occasion à me clasher, à dire des choses. Je n'ai jamais vu dans vos pages, au moins apprécier ce que je fais, le travail que je fais, les conseils que je donne, ce que j'apporte à la société. Je n'ai jamais vu. Mais le jour qu'il y a eu un petit... Elle n'a jamais vu les pages, mais tu as les likes, tu as les vues. Quelles connaissances tu veux encore? Les gens ne sont pas obligés de partager ça sur leurs pages. Ils partagent même, je trouve même qu'ils partagent trop. Que tu dis souvent quoi? Tu fais souvent des petites vidéos de 10 minutes, de 30 minutes, où tu parles des histoires des hommes et des femmes et autres. Bon, il y a des gens que ça distrait. Mais moi, quand je t'écoute, je sais que tout ce que tu dis, c'est pas réaliste. C'est des histoires juste pour que tu aies des abonnés, c'est juste pour faire rire. Bon, comme toi-même, tu dis que c'est comédie, c'est pas sérieux. Petit malentendu, elle est villageoise, mais... Dès qu'il y a eu un petit malentendu, quel malentendu? Tu peux pas te lever et commencer à insulter les gens de nomades, de crasseux, de talibans même, ça ne nous dit même plus rien, donc on s'en fout de ça. De talibans et autres, merci pour les cœurs. En fait, la villageoise, quand on la place... Où il y a les voilà, où il y a des personnes, je suis quand même présentable. Attends, je peux mettre. Non, je n'ai même pas envie de mettre les talons. Parce que si je mets encore les talons, ça fait vraiment mannequin. Dieu m'a créé. Oui, ma chérie, ce n'est pas de ça qu'on parle. On n'est pas ici à Miss Univers, maman. Ce n'était pas un débat sur Miss Univers. Tu es maintenant en train de raconter d'autres choses. Bon, moi, hein, objectivement, tu n'es pas mal. Mais, nous autres, là, dans la révolution, on n'est plus au niveau de la beauté physique. On n'est pas au niveau des belles de figure. On n'est pas à Miss Univers. Quand tu parlais des talibans, tu rentres dans le volet politique. Et dans le volet politique, on cherche les arguments. Tu dis que, est-ce que la maman du soldat qui est mort est contente? Mais c'est sûr qu'elle regrette même le jour où son fils est allé à l'armée. Mais quand tu évoques ces problèmes-là, qu'est-ce que ça avait à faire avec ta beauté, tes robes, tes formes et autres? Mais attendez, on a obligé le monsieur à aller dans l'armée, pourquoi sa maman ne lui a pas dit non? Et même quand on va dans l'armée, il y a 10 manières de mourir. Tu peux décider de faire ton travail normalement, quitte à ce que tu prennes une balle de l'ennemi ou je ne sais quoi et mourir. Que de mourir parce que pour des problèmes, je ne sais quoi, j'ai dit, quels que soient les schémas, il n'avait pas attiré sur une petite fille. Et la manière dont la tête de la petite a explosé, il est difficile de croire qu'il a tiré de loin. Ou alors, l'arme qu'il avait est une arme de comment on appelle ça, les armes de haute chasse. Parce qu'il y a des armes pour tuer les éléphants, les buffles, les grands animaux là. Parce que la tête de la petite a explosé, c'était comme si c'était une bombe. Parce que si, normalement, s'il avait tiré de loin, ça pouvait juste faire un trou et ressortir de l'autre côté. Mais ça a coupé la tête pratiquement... Et en deux, ça a cassé sa tête comme une pastèque peut tomber et se casser. Et dans ton analyse, tu n'as même pas essayé de, un temps soit peu, de te mettre aussi du côté de la maman. Aucun mot pour la victime, aucun mot pour sa maman, aucun mot pour ses parents, sa famille. Ton problème, ce n'était que le soldat. Je ne sais pas si vous avez fait vos directs juste pour supporter ce monsieur, parce qu'on aurait dit que, ou bien parce qu'on a dit qu'il s'appelle Vogo. Hein? Mais qu'est-ce qui a amené la population à le lapider? Ce qui a amené la population à le lapider, c'est parce qu'il a tiré sur un enfant, sur un ange, sur une petite fille de 5 ans, innocente, naïve, qui était passivement assise dans le véhicule de sa maman, sur le chemin de l'école. S'il avait tiré sur la maman,
On pouvait dire que ah, nous, les Camerounaises, parfois, avec le tchéki et tout, peut-être que la maman a voulu le défier. Peut-être même qu'elle a voulu se saisir de l'arme pour le fusiller. Et lui, il a fusé la première. Mais dans votre analyse, vous ne parlez que du soldat qui a été tué, et de la famille du soldat. Mais qu'est-ce qui a poussé à ce qu'il soit tué? Mais c'est parce que lui aussi, il a d'abord tué. Et il a tué de quelle manière? Ce n'est pas de manière accidentelle. Ce n'est pas de manière... ce n'est pas par inadvertance, comme où c'est David Boutou a écrit. On ne sort pas l'arme, on l'arme. Et je comprends, parce que moi, je me suis posé la question. Que mais son âme avait combien de balles? Pourquoi il n'a pas continué à tuer? Pourquoi il n'a tué? Donc, il paraît que son collègue n'était pas d'accord avec son geste et son collègue lui a arraché l'arme. Donc, si son collègue ne lui avait pas arraché l'arme, il aurait fait beaucoup plus, beaucoup de victimes. Donc, maintenant, désarmé, face à une aussi grande population, il n'avait pas de chance. Et sous le regard du collègue qui ne l'a pas défendu, parce que le collègue lui-même s'est dit, mais quelle bêtise! J'ai juste mis les faux cheveux, mais en bas même, je n'ai pas le mongio. Comme vous voyez là, ce sont mes vrais cheveux. Mm-hmm. Là, c'est la perruque. Ma chérie, ce n'est pas de ça qu'il est question. Moi-même, j'ai mes vrais cheveux. Mm-hmm. Même les perruques là, je ne les mets pas. Sauf quand je fais des directs pour dénoncer certaines choses. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. On n'est pas à Miss Univers. On dit que quand tu as parlé de talibans, ça veut dire que tu fais la politique. Sors-nous les arguments politiques. Sors-nous les arguments politiques. Quand tu dis que la maman du soldat, elle n'a pas mal, mais dis ça à Paul Biya. Dis à Paul Biya que mon père Paul Biya, tu peux signer un décret, Makana, Kalara. Tu peux signer un décret et cette guerre s'arrête et ça permet aux gens de ne plus perdre leurs enfants de tous les côtés. Tu ne te lèves pas seulement là, tu commences à insulter les gens. Vous êtes les talibans, vous êtes les crasseux, vous avez fait comme ça. Le soldat qui est mort n'est pas un être humain. Sa maman a fait comme ça, sa maman a fait comme ça. Mais et la petite qui était passivement assise, en train de se voir, en train de sauter dans la cour de l'école, dans les prochaines minutes, et qui elle ne peut même pas voir sa tête exploser. Elle n'a même pas eu le temps de réaliser. Et le tir était tellement foudroyant que la petite est tombée à quelques mètres. Elle est tombée, elle était entre les sièges arrière et presque la malle arrière. La violence de ce tir. Mais moi, je ne sais pas, ça, c'est pas un fusil. C'est comme si c'était un fusil de chasse. Comme vous voyez là, je n'ai pas le manger, hein. Ce sont mes vrais cheveux. Je, on ne parle pas faire de ça. Des baby hair. Et très belle, hein, quand j'enlève ça. Je suis très présentable avec mes vrais... Ce n'est pas de ça qu'on parle. On n'est pas à Miss Univers, ma chérie. La beauté est relative. Moi-même, je ne suis pas laide. Maman, moi-même, je ne suis pas laide. Mais quand tu viens parler des sujets politiques, donne les arguments. Maintenant, tu commences, je suis belle, je suis ceci, je suis bien formée, ma robe coûte ceci, mes cheveux, mes ceci. On n'est pas là. Si tu es très belle, pourquoi tu travailles dans les hôpitaux? Mais il y a souvent Miss France, non? Je ne sais pas si tu es déjà naturalisée française. Présente-toi à Miss France et gagne le concours. Présente-toi à Miss France et tu gagnes le concours. Et tu nous laisses tranquilles dans notre talibanie. Mes cheveux. Je n'ai pas de manger. Hein. Donc si je pose la perruque, c'est parce que je n'ai pas eu le temps d'aller au salon de coiffure. Non, il fallait avoir le temps. Ne mets pas la perruque. Il fallait avoir le temps d'aller au salon de coiffure. Tu n'as pas le temps d'aller au salon de coiffure, mais tu as le temps... juste après le boulot de lancer les directs pour insulter les gens, il fallait avoir le temps d'être. Tu ne devais même pas avoir le temps. Quand on est tellement belle, on gagne des contrats, on sort dans les journaux, je ne sais quoi là. Tu devais avoir des contrats avec des maisons de cosmétiques. Quand tu appelles seulement, ils envoient les gens. Puisque te maquiller, on fait la photo. Ces photos-là vont apparaître dans les journaux. Tu n'as même pas besoin de te déplacer. C'est comme ça qu'on voit les femmes belles. On ne reste pas là sur Facebook. Oh, je suis. Et même, nous, on s'en fout de ça. Une comme moi. Personne, je l'ai toujours dit, personne ne choisit le physique avec lequel il vient sur terre. C'est un don de Dieu. Bon, c'est vrai, il y a des gens qui se négligent et qui ont d'autres formes après. Mais, déjà, le génotype, le phénotype, ça vient d'abord de Dieu. Maintenant, il y a les efforts personnels qu'on peut faire, de ne pas manger n'importe comment, de faire un peu de sport, de ne pas se négliger et autres. Mais dans la révolution où nous sommes là,
Nous voulons les valeurs. Et ces valeurs-là te manquent. Et ça te rend, ça te donne une certaine hideur. Ça te donne une certaine hideur. Tu ne peux, au nom de quoi tu prends parti du bourreau au lieu de te mettre du côté de la victime. J'ai dit que quels que soient les schémas, même si la femme a refusé de s'arrêter, le monsieur ne devait pas tirer. Et s'il a voulu tirer sur les roues et qu'il a raté, là plutôt, ça veut dire que c'est l'État qui est fautif, puisque c'est l'État qui doit se charger de la bonne formation de ses soldats. C'est de ça qu'il est question. Il est question ici d'avancer les arguments. Il n'est pas question ici de venir nous dire comment tu es jolie, comment tu es belle, comment tu es ceci. Hein? Parce que si moi je commence maintenant à t'attaquer là, sur ce côté-là, on va dire que oh, 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 oh. Hein? Tu es jolie peut-être pour les Européens, hein? Mais au niveau du Cameroun, ce n'est pas le genre de femme qui passe. Hein? L'étoile tribienne, je lui pardonne parce que je pense qu'elle a mal analysé le problème. Je ne peux pas la catégoriser comme étant une tribaliste. Mais les gens qui ont ton poids, la majorité des filles bêtises, boulou, des filles écambétis, qui sont maigres comme toi là, ce sont les filles qui ont connu l'homme à 10 ans. Moi, je ne mens pas, je vous dis la vérité. Parce qu'il y a une tradition. Quand tu connais l'homme très tôt, Ça te rend sèche. La majorité des filles que vous allez voir, elle n'a plus trop grandi. Elle est restée sèche comme ça. Ce sont les filles qui connaissent souvent les hommes à 9 ans, les bas 9 ans, les bas 10 ans. Je vous dis, on est tous Naya Wumbe. On connaît. Hein? Donc ça te sèche parce que tu n'étais pas encore mature et tu as commencé à faire ces choses-là tôt. Et ça t'a séché. Au niveau du Cameroun, ça ne passe pas. Au niveau du Cameroun, on aime les femmes en chair. Hein? Ce n'est pas un musicien Betty qui a chanté un sonon sono. C'est un musicien Betty qui a chanté un sonon sono. Hein? Au niveau du Cameroun, là, toi, là, ça ne passe pas. Hein? C'est le genre ici que voilà, quelqu'un sait que bon, ici, je vais toucher. Ce n'est pas le genre que quand je fais la main comme ça, ça fait un tang parce que j'ai atterri sur l'os. Hein? Donc, c'est de ça qu'il est question. Mais, comme vous avez l'art parfois de prendre vos bêtises et de les transformer en avantage, tu viens maintenant nous narguer avec ton corps, insulter les femmes de la révolution, qu'elles sont des crasseuses, tous ceux qui sont dans la révolution, que ce sont des crasseuses et autres. Mais non, tu devais mesurer tes mots. Quand tu parles des talibans, tu parles de tous ceux qui sont dans la révolution. Et tu parles là de tous les groupes ethniques, puisque tu as même dit que le général des talibans, c'est Valsero. Hmm? Donc ça veut dire que tu sais que tu t'attaques à tout le monde. Et il faut que tu gères. Il va falloir que tu gères ces retours parce que nous on ne va pas te laisser, on ne va pas te faire des cadeaux. Nous sommes en guerre. Et nous sommes en guerre contre tous ceux qui nous déclarent la guerre. Ça c'est clair. Nous sommes en guerre contre tous ceux qui nous déclarent la guerre. Cette perruque là, ce n'est pas parce que je n'ai pas les cheveux. C'est question de temps en fait. Et parfois ma coiffeuse vient me coiffer chez moi. Est-ce que nous on a besoin de ça? Tu as dit que nous sommes crasseux, machin. Tu as dit que celui qui a tué la petite, le soldat, a une famille qui souffre, sa maman aussi, machin. Donne-nous les arguments. C'est la faute de qui? Est-ce que c'est la faute de Valsero? Si ce gars est mort, non. C'est sa propre bêtise. C'est la faute de l'État. Personne morale. Et qui est le chef de l'État? Qui est le chef d'État? Qui est le président de facto? C'est Paul Biya. Qui est le chef suprême des forces armées? C'est Paul Biya. Qu'est-ce que les talibans avaient à chercher là-dedans? Qu'est-ce que les talibans avaient à chercher là-dedans? On n'avait rien à chercher là-dedans. On n'avait rien à chercher, je suis désolée. S'il y a un responsable, c'est le chef suprême des armées parce que c'est un homme en tenue qui a fait la bavure. Ça veut dire qu'il faut revoir leur état psychologique, l'état psychologique des gens qu'on envoie au travail, il faut revoir leur formation. Est-ce qu'ils respectent la déontologie et l'éthique? Maintenant, tu viens nous parler de ta beauté. Tu es en France, non? Tu es trop belle, non? Peut-être que tu es même bien naturalisée. Présente-toi même au niveau de concours. Ne serait-ce que Miss Paris. Puisqu'il faut d'abord gagner dans ta région avant maintenant d'être Miss France. Nous tous, on sera contents, non? On va dire que voilà une Française d'origine camerounaise qui est Miss France. On va aimer. Hein?
Donc, celle qui apprend à chanter, là, ma soeur, va au studio, va apprendre à chanter. Je ne peux pas citer ton nom parce que ça ne sert à rien. Parce que, en fait, parfois, pour avoir un débat avec un style de personne, il faut être à la hauteur. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de... Il n'y a rien à faire, en fait. Il n'y a pas de match. Il n'y a pas de débat. Je ne prononce le nom de personne. Que tu vois d'autres, même, ils peuvent m'opposer. Ok. Il y a même d'autres femmes qui sont ménopausées. Et elle n'a que foutre. Elle insulte tout le monde. Les femmes ménopausées t'ont fait quoi? Ta maman, elle a encore ses règles. Ah bon, j'ai même suivi dans un direct là, tu disais que tu avais déjà perdu ta mère. Est-ce que le fait d'être ménopausée, c'est une injure? C'est un phénomène naturel qui arrive à toute femme. Si tu n'as même pas la chance, tu ne vas pas vivre la ménopause, puisque l'espérance de vie à combien? Et les femmes qui sont ménopausées, oh, celles qui ne savent pas chanter, oh, et celles qui chantent comme des grenouilles. Elle est en France, hein? Elle dit que les grenouilles chantent. Chère grande sœur, respectez, à un moment donné, respectez votre âge. J'ai décidé, parfois, moi, je ne suis pas celle qui entre dans les classes, je ne suis pas celle qui insulte. Mais je vous ai déjà dit, moi, Suzanne et tout, c'est mon vrai nom. Je ne me cache jamais un faux profil. Je n'ai jamais créé un faux profil dans ma vie. Restez tranquille. Le faux profil, c'est quoi? Nous tous, nous avons les faux profils ou bien des avatars. Mais tu t'appelles Suze Comédie. Si ce n'était pas ce scandale-là que tu as créé, qui allait savoir que Suze voulait dire Suzanne et puis Comédie voulait dire Etougou? À partir du moment où ce n'est pas Suzanne Etougou, tu as un faux profil. Laisse ça. Là n'est pas le débat. Le débat, c'est que qui est-ce que tu tiens pour responsable par rapport à ce qui est arrivé le 14 à Koumba? Hein? Le responsable, c'est le chef de l'État, c'est tout. Le responsable, c'est Paul Biya, il est le chef suprême des armées. Il peut du jour au lendemain signer un décret et tout s'arrête. Parce que même si la femme ne s'était pas arrêtée, déjà la version est fausse puisque... le ministre même a reconnu que la femme se serait arrêtée dans un des communiqués. Même si la femme ne s'était pas arrêtée, ça veut dire qu'elle ne s'est pas arrêtée peut-être parce qu'elle n'a plus confiance à cette police. Elle ne s'est pas arrêtée parce que le monsieur l'énerve et il lui demande tout le temps 500. Donc c'est toujours un problème du système. C'est une maladie du système. Donc quel que soit les schémas, la faute au concerné direct est la faute à celui qui est maître du système. Mon vrai nom, c'est Suzanne Etougou et je l'assume. Ngwanbeti, Ngwanekam, 100% na Yaoundé à l'hôpital central à 1900, ouais. Non, 1900, ouais, pourquoi? Donne-nous l'année de naissance. Puisque si tu précises là où tu es né, tu précises l'hôpital où tu es né, il fallait donner la date de naissance. Il fallait donner la date de naissance. Pourquoi tu dis seulement né à 1900, ouais? Ou tu donnes les détails ou tu ne les donnes pas? Je n'ai pas cherché les problèmes à je ne sais qui. Ceux qui veulent se mélanger, venez. Moi, je n'ai peur de personne. Je marche dans Paris, tête haute, poitrine bombée. Vous qui menacez là, vous faites les menaces de Didi Franck. Vous croyez que je vous ai dit, j'ai le mental. Ce matin... Ma chérie, tu n'as pas le mental plus que les autres. Ce qui est sûr, tu vas mal, puisque ta mine même a changé. Vous savez, lorsque tu fais des choses négatives, l'autre, ça t'impacte. Tu as beau venir faire la dure là, ça t'impacte. La preuve est que le débit a changé, le ton a changé et on peut même comprendre que tu es en train de t'excuser. Mais si tu as donc ce mental là, pourquoi je ne vois pas les directs que tu as eu à faire? Si certaines personnes ne les avaient pas relayés, on ne les aurait plus du tout. Ou bien si certaines personnes ne les avaient pas enregistrées, on ne les aurait plus du tout. Tu vas t'éteindre seul parce que la haine ne porte pas. La réputation est la chose la plus chère pour un être humain et surtout pour une femme, pour une mère d'enfant. J'ai appelé votre général, je vous répète, Valsero, nous avons parlé et tout, je lui ai dit, calme tes moutons, parce que voilà, je ne peux que parler avec toi, toi et moi. Du n'importe quoi. Valsero n'est pas le chef de la révolution ni de la résistance. Le chef de la résistance est Kamto. Et la révolution est elle-même son propre leader. Donc, et puis au vu de quoi, tu appelles ceux qui sont dans la lutte que ce sont des moutons.
J'ai parlé avec votre chef. Laisse Valsero tranquille. Peut-être que tu es la sœur de Valsero au niveau de la proximité sociologique. Mais ce n'est pas parce que tu as parlé avec Valsero. Quand tu viens dire que tu as parlé avec Valsero, c'est pour faire quoi? Mais quand je dis toujours aux gens que méfiez-vous de ce club des je ne fais pas la politique. Je préfère encore quelqu'un qui dit je fais la politique, je suis Sardina, que ce club-là des je ne fais pas la politique. Parce que les je ne fais pas la politique, là, c'est l'hypocrisie. En réalité, elles ont un camp, ou bien ils ont un camp. Hein? Ils sont juste hypocrites, ils restent là, ils ne disent pas, ils ne disent rien, mais un jour, on finit par connaître leur vraie position. Peut-être que tu parlais avec Valsero depuis. Valsero, peut-être tu le connais depuis le Cameroun. C'est tout à fait normal. Moi-même, j'ai ma mère qui est sardinade. Est-ce que je ne parle pas avec elle? Je parle avec elle. Mais si je pars faire des bêtises, je ne veux pas venir évoquer ma mère. Ou bien si ma mère part faire les bêtises, je ne veux pas venir l'évoquer. Quand tu dis maintenant que tu as parlé avec Valsero, tout dépend de ce que vous vous êtes dit. Et suivez ce qui vient. Hein? J'ai dit que si Valsero fait encore moi, toi tu es qui? Voilà, le langage peut un peu passer parce que tu es quelqu'un d'instruit. Voilà, on n'est pas seulement instruit parce qu'on a été à l'école. Hein. Donc, on peut. Le langage. Donc, tu as testé le niveau des autres talibans et tu as vu que là, il n'y a pas d'instruit, il n'y a que Valsero qui est instruit. Suivez, hein. Passe un peu, c'est pour ça que je parle avec votre général. Mais mentalement, je suis votre général. Donc, quand vous voulez clasher, vous voulez dire des choses, il faut bien réfléchir. Je vends le piment, je sais. Je n'ai pas des enfants, je sais. Je vis dans une chambre d'hôtel, dans un truc d'une maison sauce. Vous ne savez pas que les chambres d'hôtel, on avait aussi les chambres. Bon, dans les chambres, il y a aussi les chambres, mais bon. Bon, bref, ce qui lui avance ce genre d'argument, je trouve ça bas. Il faut élever le débat au niveau de la politique. Puisqu'en parlant des talibans, elle parle de la politique. Les histoires qu'elle vend, le piment, hein, machin, ça n'a rien à voir. Ce qui a à voir là, c'est que qui est-ce que tu tiens pour responsable pour ce qui s'est passé? Tu ne peux pas te mêler des sujets que tu ne maîtrises pas. Bref, peut-être dans ma chambre, il y a les chambres. Bon, dans ma chambre, où il y a les chambres, comme vous avez dit là. Donc, je suis désolée. Le terrain où vous voulez jouer, là, ça glisse. Je vous l'ai dit le jour de mon direct. Ah, c'est toi qui dois le savoir. C'est toi qui dois le savoir. Ah oui. Il faut faire attention. On ne demande pas aux gens de supporter tout le monde. Non. On ne demande pas aux gens de supporter tout le monde. Tu peux toujours supporter Paul Biya et avancer des arguments. Il y a des moments où, par exemple, sur le plateau d'Equinox, il y a des moments où Messanga Nyamjin est hideux. Mais il y a des moments où il est pertinent. Hein? Alors qu'il assume bien qu'il est un biaïste. Charles Ateba Yené, il était soit membre du comité central du RDPC. Mais il avait des positions... Il avait des choses de pertinentes qu'il disait. On ne demande pas à tout le monde, contrairement à ceux qui pensent qu'on voudrait obliger tout le monde à supporter Kamto. Non. Mais vous ne pouvez pas toujours prendre un problème et vouloir régler les comptes. Moi, je pense que tu avais peut-être ton macabo depuis envers les Bamileke et tu as juste profité de ce truc-là pour dire ce que tu voulais dire. Si quelqu'un t'a énervé, il fallait parler de ça depuis. Il ne fallait pas profiter que le soldat fait comme ça. C'est vous qui habitez chez les gens. Toi-même, tu n'es pas à Yaoundé. Si tu es une fille de Yaoundé, tu n'es pas à Yaoundé. Tu es à Paris. Paris, ce n'est pas le village de ton père. Paris, ce n'est pas le village de ta mère. Donc, toi-même, tu es chez les gens. Et quand nous allons travailler ici, généralement, c'est la première des choses. Dès que tu veux dire à un Européen, machin, ceci, ou bien tu veux un peu parler du système qui n'est pas... Il te dit, bon, si tu n'es pas à l'aise ici, rentre chez toi. Et tu ne peux pas vivre ces injustices-là. Hein? Et dire à un Camerounais qui est à Yaoundé, Douala, qu'il doit rentrer chez lui et autres. Je ne suis pas là pour diviser. Je ne suis pas là pour les maux de tête. Je ne suis pas là parce que je suis votre ennemi. J'avais un mot à dire, je l'ai dit. Parce que moi, on ne me marche pas dessus. Je ne suis une femme qui a la tête sur les épaules. Il y a un père qui est venu m'intimider sur ma page. Je lui ai dit, le père, donne-moi l'adresse. Je suis pieds nus. J'aime marcher pieds nus. Parce que quand je suis chez moi, je marche pieds nus. Au village, je marchais pieds nus. J'ai eu les chics. Si vous montrez les pieds, mes pieds. J'ai eu les chics. Je peux sortir pieds nus. Tu me donnes l'adresse, je sors pieds nus. Je vois vraiment ce que tu vas me faire. Vous faites souvent le vum, 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 vum. Vous n'avez pas eu. Je ne suis pas celle qui clash. Je ne suis pas celle qui aime les problèmes. Mais je suis celle qui n'aime pas ce qu'on appelle intimidation.
Si tu veux me parler, je t'écoute, tu me parles avec. Oui, mais quel est le membre de la Talibanie, ou comme vous appelez, ou bien de la base qui t'a intimidé? Hein? Faut pas confondre certains de tes followers à tout le monde. Parce que quand tu parles de Talibanie, tu t'attaques à tous les résistants. Et nous, on ne peut pas te laisser parce qu'on se sent aussi insulté. Et il faut savoir que le Cameroun ne vous appartient pas. Parce qu'on a l'impression que vous vous prenez trop la tête parce que celui qui est au pouvoir, celui qui s'est maintenu au pouvoir, qui veut mourir au pouvoir, est du Sud. Alors beaucoup de gens du Centre-Sud se prennent la tête pensant qu'ils ont, ils ont le pouvoir. Vous avez peut-être une partie du pouvoir, mais vous avez même quel pouvoir? Le pouvoir des cons? Hein? Vous avez le pouvoir et Mendoza est mort en prison? C'est le pouvoir de quoi? Et Fotso a été évacué? Dans ce pays-là, ce sont les Bamileke qui ont le pouvoir. Moi, j'ai honte. J'ai eu honte que Fotso Victor soit évacué et que Mendoza meure en prison. Vous avez quel pouvoir? C'est ce que Charles Ateba y en a appelé le paradoxe du pays organisateur. Hein? Le paradoxe du pays organisateur. Vous avez quel pouvoir? Hein? Vous avez le pouvoir et Mendoza est mort en prison pesant 30 kilos? Douceur et respect. Si tu viens, tu vas parler comme un chien qui aboie, je ne t'écoute pas en fait. Parce que je vois que c'est, ça ne sert à rien. Alors, chères mesdames, je vous mets au défi, mettez-vous au sport. Perdez les kilos. Oh, maman, le sport de ça, oh. Maman, il faut faire le sport. Oh, on va faire le sport. Pardon, perdez le poids, oh, c'est fort. Parce que la Talibanie, là, co-sport. Il faut faire le sport. Même pour le professeur Niamsi a dit que si on veut débloquer la révolution, il faut faire le sport. Maman, on dit que le défi, c'est que les femmes de la Talibanie, les gens de la Talibanie, il faut faire le sport. Mais pourquoi ça veut seulement sortir, tomber? Et il faut te quoi? Il faut que les ventres soient plats. Donc, vous pouvez contacter la rose. Hein? Il faut te quoi, là? Hein? Les gens qui sont gros, là, vous faites, on nous insulte déjà. Hein? Voilà la maman des garçons. Hein? Et te quoi? On nous met au défi. Il faut faire le sport. Et... Hein? Hein? Quand? Il faut faire le sport. Hein? Il faut te quoi? Bon, ça, c'est la rose africaine. Vous voyez que la maman des footballeurs, elle avait le gigos, non? Vous voyez comment le té-couer a déjà enlevé les gigos? Maman, c'est mauvais. On commence déjà à nous insulter. Donc, nous devons faire le sport. Nous devons faire attention à nos figures. Vous voyez la ceinture, là, ça, c'est... Et vous voyez, ça enlevait tout le gigos. Vous savez que la chasserie a souvent le gigos ici, non? Vous savez, chaque accouchement laisse, l'autre accouchement laisse, l'autre... Vous voyez que... Vous voyez quoi? Vous avez vu que la ceinture-ci a d'abord enlevé tous les gigos, là, les bourrelets, là, les dos d'âme. Les dos d'âme, là, mais c'est mauvais. Vous voyez des criquets pareils qui commencent déjà à nous insulter. Hein? Elle dit qu'elle a 67 kilos, on va voir combien de kilos la chasserie a. Mais c'est mauvais. C'est mauvais à Bagdad. Cause pour eux. Et la ceinture là, c'est bien parce que ça, non seulement ça redonne la forme guitare, ça enlève le gigos, les bourrelets partout, ça nettoie tout. Vous avez vu, non? Maman, vous avez vu, non? Non, mais c'est un miracle cette affaire. Contactez la rose africaine, elle vous envoie pour vous. Hein? Ça enlève tout le gigos, ça redonne la taille de guêpe. Vous voyez, là, ça m'a rajeuni de 10 ans. Donc, si je mets encore ça même pendant, ça fait juste 3 jours que je l'ai. Si je mets encore ça même pendant 2-3 mois, ça va me redonner ma figure dans le temps là, quand j'étais encore Miss. Vous voyez, non? Quand il faut faire le sport, on commence déjà à nous manquer de respect. Hein? Quand il faut faire le sport, il faut faire le sport. Hein? Le sport, il y a quoi? Suivez, oh maman, on est mort. Celles qui ne savent pas chanter, allez au studio. Oh, oh. Moi, j'ai un emploi, s'il vous plaît. J'ai un emploi. Si on me dit que tu fais... Elle a un emploi. Quand il ne faut pas rester dans le chômage, cherchez les emplois vivants. Cherchons les emplois vivants, oh.
Vous voyez alors comment la ceinture est bien. Ça, elle fait push-up. Regardez comment ça pousse la poitrine vers le haut. Vous voyez, non? Bon, ça, c'est bio. Hein? Ce n'est pas les histoires qu'on met, les chewing-gums là, dans les. Ça, c'est bio. Donc, elle qui dit qu'elle est belle là, elle voit que Dieu a été chiche envers elle. Parce qu'il y a des gens chez qui Dieu a trop donné, quoi. Il a tout donné en excès. Donc, quand Taliban crasseuse, quand Taliban crasseuse nomade, quand chasserie la Taliban crasseuse nomade du Mbam, voilà, elle-même voit que les chenilles qu'elle mange au sud de là-bas, ça n'aime, n'a pas match avec le Kepen Kumbazu. Parce que le Kepen a des vitamines B, de la zambe. Et puis quand tu n'as pas connu l'homme tôt là, quand tu as d'abord entendu que tous les organes de base se placent à leur endroit, tu grandis d'abord, tu mûris et puis l'homme vient. Le genre qui a connu l'homme à 10 ans, qui a connu l'homme à 5 ans là, c'est le genre qui devient racine tant. Donc, suivez, hein, maman, les clashs de ça, elle dit qu'elle ne clash pas. Mais elle nous envoie faire le sport, elle dit qu'il faut que notre peau soit ferme. Nos seins doivent être debout et tout et tout. Quoi? Je suis personnelle soignante. En fait, je travaille en réanimation, si vous ne savez pas. Même si je lave le sol là-bas, ne va pas l'aria. Celui qui veut, mais celui qui peut. Cherchons les travaux vivants. Travaillant en réanimation. Je suis personnelle soignante. Faisons le sport vivant. Si vous avez besoin d'être interné, j'ai des collègues, je les appelle. On vous envoie en psychiatrie, on va vous suivre. Dès que j'appelle, je dis que c'est ma cousine, c'est ma nièce, c'est ma soeur du village. C'est ma soeur d'un même pays, elle sort du Cameroun. Donc il y a aussi ça, les cousines, les soeurs du village. Donc tu ne prends pas le rendez-vous. Tu appelles, tu dis que c'est ma soeur du village, on part te soigner. Quand on a calé se soigner, elle a les collègues médecins. Elle ne sait pas que dans la révolution là, les médecins alors c'est Beba Labidou. Les ingénieurs alors c'est Beba Labidou. Elle travaille en réa. Elle pense qu'elle a tué, juste elle insulte les gens de la résistance. Elle ne sait pas que médecin de la résistance là, c'est rempli plein. Elle a les problèmes psychiatriques. On vous envoie en psy et j'appelle mes collègues, on va vous prendre en charge. Vous comprenez un peu. Donc, vous n'êtes pas à la hauteur de quoi que ce soit. Vous n'avez pas... Faisons le sport vivant, moi. Beaucoup de mes frères m'ont appelé, m'ont dit, Souze, laisse. Mais je vous dis qu'on ne m'intimide pas. Vous n'allez pas me voir dans vos pages. Mais quand tu viens sur ma page, tu me respectes. Tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. C'est comme... Oui, tant pis pour les gens qui te donnent même les vues, là. Parce que moi, je vous dis toujours que vous êtes là pour distraire. Vous ne soulevez pas les vrais problèmes. Tant pis pour ceux qui viennent même souvent sur toi. Moi, je... Parfois, en passant comme ça de manière accidentelle, ou bien par inadvertance, je suis deux phrases, je vois que ce n'est, il n'y a rien de bon, je zappe, je continue à autre chose. Ça clair et net et précis. Parce que quand tu te veux, quand le mouton ne comprend pas, tu le bastons correctement. Et tu montres que c'est moi le chef. Sur ma page, c'est moi le chef. Moi, débloquons la révolution. Je ne m'appelle pas le sport. Petit conseil, mon vrai nom, c'est Suzanne. Débloquons la révolution en faisant le sport. Assumez vos noms. Et tous les propos, tout ce que j'ai eu à dire par rapport aux talibans, je répète ce que j'ai dit la fois 100. Et pour clôturer le tout... Elle répète fois 100. Donc nous sommes les crasseurs, nous sommes les nomades, nous sommes quoi, nous vivons chez les gens. Mais elle n'est pas rentrée au Cameroun, elle est toujours à Paris. Vivant chez les gens, travaillant chez les gens, s'épanouissant chez les gens. J'aurais bien voulu que tu rentres au Cameroun, que tu rentres au Cameroun et que tu nous racontes tout ça. Parce que si tu vas au Cameroun, tu tapes même 6 mois. De temps en temps, on coupe l'eau. Quand ça revient, c'est la boue. Le courant, on coupe. Tes courses dans le frigo se gâtent. Je crois que peut-être à partir de là, tu vas réaliser. Celui qui est fâché, son cal en l'air. Aussi simple que ça. On ne m'intimide pas. Vous, tu vas débattre. Souza, on va te montrer. Souza, tu es mère d'enfant. Vous me connaissez? Maman? Vous me connaissez? Faisons le sport vivant. Oh. Je perds même le temps. Vous me coquant, toi, nous, tu me regardes. Vous êtes les femmes, elles me regardent, elles sont excitées. Je ne suis pas lesbienne. Oh. Qui est excité en te regardant? Moi, ça ne me dit rien en te regardant. Vous excitez comme ça, en fait. Quoi, vous excitez? Dès que tu vois une femme, tu t'excites. Je suis pas lesbienne, moi. Aucun de mes frères même ne peut s'exciter en te voyant. Parce que tu es un peu mère. Ceux qui ont dit que je n'ai pas d'enfant, je suis mère d'enfant. J'ai fait les enfants, ne me voyez pas comme ça. Non, non, qui a dit que tu n'as pas les enfants? C'est que les gens là ne connaissent pas leur pays. Nous, on sait que vous là, c'est 14 ans, 15 ans, quelqu'un a déjà couché. Chez vous, quand tu atteins 17 ans, tu n'as pas encore l'enfant. Chez les boulous là.
17 ans, tu n'as pas l'enfant, on commence à se demander que, qu'est-ce qui ne va pas? Hein? On sait que chez vous, parfois même, les derniers ans, parfois même quand vous accouchez, ce sont les parents qui mettent leur nom sur l'acte. Parce qu'ils ont tellement honte de dire que l'enfant a accouché à 15 ans, l'enfant a accouché à 12 ans. Mais on voit, non, Berthe d'Afrique est là. Aujourd'hui, elle a la haine contre les Bamileke. Elle a accouché à 13 ans. Donc, à 20 ans, elle avait déjà un enfant de 7 ans. Partout où elle passait, on pensait que c'est son dernier petit frère. Pourtant, c'était son enfant. Donc, les gens qui disaient que peut-être tu n'as pas d'enfant, là, ils ne connaissent pas bien le Cameroun. Hmm? On se connaît au Cameroun, hein. On connaît les gens qui vont chez les hommes à 10 ans et qui accouchent à 12 ans, 13 ans, 14 ans. Hmm? Et j'ai tué le corps ferme. C'est que c'est Dieu qui a donné. Allez demander au bon Dieu. Faites un peu de sport. L'hygiène de vie. Maman, ne mangez pas tout, hein? Elle répète encore que nous devons faire le sport. Ouais. Maman, le sport va nous tuer. Qui nous a envoyé dans cette résistance, maman? Aïe, le sport va tuer quelqu'un. N'importe quoi. Quand on mange, mangez parfois bio. Ne mangez pas les féculents. Pour les femmes obèses, ne mangez pas les féculents. Les femmes obèses. Faites des squats pour muscler les cuisses. On muscle le corps. Non, tu ne travailles pas seulement en théâtre, maman. Tu es nutritionniste. Tu es comme une sportive. Uh-huh. C'est ça, de ça qu'il s'agit. Il faut muscler le corps. Un enfant, deux enfants, qu'on va se négliger. Je ne suis pas. Non, ne nous négligeons plus vivants. Non, pardon. Le gigose là, il faut que tu partes. Maman, la gueule de ça a commencé. Il faut que tu. Le gigose là, les bourrelets là, les dos d'âme. Doivent disparaître. T'es quoi? Hein? On doit te cœur. Vous voyez, non? Non, je vous mens pas. Ce truc est très bien. Et ce qui est bien, parce que j'ai d'autres. Hein. Mais celle-ci, elle est formidable parce que elle tient très bien. Et puis, il y a des pores. Donc, ça laisse respirer la peau. Ça laisse vraiment respirer la peau. Et ça redonne la forme aux guitares. Ça a 9 nervures. Donc, ça prend là au niveau des parties essentielles. Ça retaille. Ça retaille bien. Et contrairement à d'autres, parce que l'autre que j'avais avant avait une fermeture. Donc, c'était aussi un petit inconvénient parce que parfois, par inadvertance, on peut se retrouver en train de coincer sa peau. Et ça fait très mal de se pincer, quoi. Et ça fait très mal. Mais donc, avec ça, vous agrafez juste et puis c'est bon. Il n'y a pas de risque de se coincer la peau et tout et tout. Maman, elle dit qu'il faut qu'on mange bio. Hmm? Donc t'es quoi? Peuple de la résistance, t'es quoi? Débloquons la révolution en faisant le sport vivant. Faisons le sport vivant. Je mets juste les points sur les i, les barres sur les t. Uh-huh. Avant de clasher, de reprendre la parole, allez, mettez vos sports déjà. Oh, maman, c'est ce que je fais, ma chérie. Faisons le sport vivant. Faisons le sport vivant. Maman, faisons le sport vivant. Maman, le sport de ça, le sport va tuer quelqu'un. Non, moi je n'aime pas les sports sans ballon là, j'aime bien les sports avec les ballons, football, handball, le genre qu'on court seulement sans ballon, c'est dur. Mais on va faire comment? Il faut débloquer la révolution. Même le grand prof avait déjà dit que pour que la révolution soit débloquée, il faut faire le sport et manger bio. Donc vous voyez, elle ne travaille pas en réanimation, elle est aussi nutritionniste, elle est tout quoi. Je vous ai dit, j'ai 1m67, 67 kilos. Oh! Elle a dit qu'elle a combien de kilos, s'il vous plaît? Elle a 1m67, 67 kilos. Maman, Chasseri va se peser, on va aussi voir. Maman, les défis de ça. Maman, voilà ma part. Les défis de ça, oh, maman. Pardon, écrivez si je dois dire mon poids ou bien si je ne dis pas. Écrivez, pardon. Mais là, c'est fort. Hein. Est-ce que je vais taper le défi là? Elle dit qu'elle a 67 kilos. Hein? Chasseri a combien de kilos là? S'il vous plaît, écrivez. Hein? Je dois donner mon poids ou bien que je garde. Les Sisonga. Dites-moi si vous me donnez la censure. Maman, 67 kilos. Hmm. Est-ce que j'ai un jour pesé 67 kilos? Moi, je suis né bobolo. Hein? J'ai un jour pesé 67 kilos, je ne sais pas. Peut-être quand j'avais 5 ans. Peut-être.
c'est quand j'avais 7 ans comme ça, 67 kilos là. Maintenant, pardon, écrivez non. Si je donne mon... maman. Maman. Je suis sur la balance. Écrivez si je donne mon nombre de kilos ou bien si je garde. Maman, maman, le défi de ça, le défi est de taille. Pardon, dites, si vous n'écrivez pas, on laisse. Hein? Si vous me dites que, bon, donne, chasserie, donne ton nombre de kilos, je donne. Hein? Oh, moi, je suis loca, hein? Je suis sport. Mais vous n'écrivez pas. Aïe, maman, elle dit qu'elle a 67 kilos. Maman mia, est-ce que chasserie aura moins ou plus? Écrivez, non, vous n'écrivez pas. Hein? Ok, on laisse alors, je ne dis rien. Si vous écrivez que je donne, je donne. Voilà, je me suis pesée, voilà la balance. Voilà, moi je connais déjà mon nombre de kilos. Donc depuis quelques jours là, j'ai quand même perdu 1 kilo. Mais il y a encore, hein. Chasserie doit perdre combien de kilos là pour atteindre son degré? S'il vous plaît, chasserie doit perdre à peu près combien de kilos pour avoir 67 kilos? Estimez un peu mon poids. Estimez. S'il vous plaît, estimez un peu mon poids là. Mais vous aussi, restez tranquille là. Bon. Estimez mon poids, non? Je dois perdre combien de kilos pour avoir 67 kilos à peu près? Maman, ça c'est un challenge, hein? Merde. Est-ce que j'ai eu 67 kilos un jour? Maman, je me rappelle pas, hein? Je me rappelle pas avoir un jour eu pour 67 kilos. Maman, le sport de ça. Chasserie doit perdre combien de kilos? Même pas une graisse sur mon corps. Vous ne pouvez pas m'intimider. J'ai vu une femme aboyer là-bas comme le chien. Ouh, 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 ma chérie. Si tu veux, je t'appelle. On a même envie de remplacer notre gardien d'ici là. Je t'appelle, tu viens nous garder ici. Hey, ya, tellement elle aboie qu'elle peut jouer le chien gardien. Est-ce qu'une femme, ouh, 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 ouh. Elle dit qu'elle ne clash pas les femmes, hein. Mais suivez tout ce qu'elle raconte, tout ce qu'elle veut aussi faire. Mais vous n'avez pas écrit combien de kilos je dois perdre? Calme-toi. Ça va, tu n'as pas pris tes médocs. Mais pourquoi depuis que j'ai fait le sport, il n'y a plus de commentaires? Je peux t'interner, hein? Comme une villageoise. Est-ce que je suis née ici? Est-ce que je fais semblant? Le sport vous distrait ou quoi? Pourquoi depuis il n'y a plus de commentaires? Est-ce que je veux parler le langage qui te plaît? Vous allez m'apprendre comme je suis la petite villageoise. Oh, qui vit en plein Paris. Vous vivez où? Tu es dans quelle ville? Tu vis en plein Paris comment? Alors que toi, tu n'es pas nomade. Moi, je sais que tu allais me dire que tu es à Etoile-Béki, ou bien à Eligefa, ou bien en Colndome, ou je ne sais où. Mais tu n'es pas nomade. Tu as fait comment pour te retrouver à Paris? Hein? Puisque nous autres, nous sommes des nomades. Toi, tu as fait comment pour te retrouver à Paris alors que tu n'es pas nomade? Hein? Dans la capitale de cette ville. Je viens en plein. Maman, je dois perdre les kilos. Jusqu'à 67 kilos. Je vais te croiser, je vais te gifler. Je dois atteindre 67 kilos, maman. Le défi est de taille. Vous ne me connaissez pas. Oh. Vous ne me connaissez pas. Donc j'avais les frères comme ça. Les frères du village. On vient me faire la réunion du village. Vous pouvez me cuisiner. Quand vous me regardez, j'ai la tête d'une sorcière. Parle au téléphone. Ouais, quand vous faites ça, ça pluie. Si le bas ventre, là, ça casse les deux dents. Vous allez me voir. Dès que même mes genoux sont sans Michel Lacan, vous allez tous brûler. Aussi simple que ça. Et le... Ma chère, si tu connaissais Saint-Michel Archange, tu saurais que... de quelle couleur est la peau de Dieu? De quelle couleur est la peau de Dieu? Elle est noire, rouge ou blanche ou jaune comme tu veux. Les hommes sont les mêmes sous le regard de Dieu. De quelle couleur est la peau de Dieu? De quelle couleur est la peau de Dieu? Elle est noire, rouge ou blanche ou jaune comme tu veux.
Les hommes sont les mêmes sous le regard de Dieu. De quelle tribu est le Seigneur? De quelle tribu est notre Seigneur? Donc, si tu connaissais Saint-Michel-Archange, si tu connaissais Dieu, tu saurais que on s'en fout de la couleur, on s'en fout de la tribu. Nous sommes tous des êtres humains. Le sang n'a pas de couleur. Le sang a la couleur rouge pour tous les êtres vivants. Qu'on soit de la race jaune, comme on appelle sa race, de la race noire, de la race rouge, on est, tu ne pourrais pas dire aux gens, c'est vous qui êtes chez les gens. Parce que tu comprendrais que l'Europe, l'Afrique, c'est des choses qui ont été divisées par les êtres humains. Bon, et puis par la nature aussi, puisque quand on va parler de la tectonique des plaques et autres, on va voir que à un certain moment, tous ces continents-là étaient reliés jusqu'à ce qu'ils se divisent comme ça. Et qu'au Cameroun, en Afrique, nous avons aussi été émiettés selon les intérêts égoïstes des colons. Hein? À la conférence de Berlin, de novembre en février, de 1984 à 1985, c'est ici qu'on a partagé l'Afrique comme un gâteau. Donc tu ne dirais pas à quelqu'un qui est de l'Ouest, que aux gens qui sont de l'Ouest ou bien aux talibans, que c'est vous qui êtes chez les gens. C'est vous qui êtes chez les gens. Tu comprendrais qu'il n'y a qu'un seul Dieu, un seul univers. Nous autres, nous luttons même pour que on nous annule même ces histoires de passeport. Dieu n'a pas créé le monde pour que les gens mettent les barrières. Hein? Ma chérie, c'est ça l'éthique dans laquelle nous sommes, de la révolution dans laquelle nous sommes. Dieu a créé un seul monde. Il n'a pas créé le monde pour qu'on mette les barrières. Passeport bordeaux, passeport bleu. L'idéal serait que le monde soit ouvert à tous. Que tous puissent se déplacer d'un point A à un point B. Mais comme ils défendent leurs intérêts, ils ne veulent pas que la misère du monde vienne chez eux. Ils ont donc mis ces barrières de visa et autres. Normalement, si on voulait vivre comme Dieu avait souhaité ou bien aurait souhaité qu'on vive, on se déplacerait d'un pays A à un pays B sans les visas et autres. Parce que nous sommes un en humanité. Hein? Donc quand tu dis que si tu te fâches, tu vas mettre tes genoux au sol, Saint-Archange va faire ceci, c'est... Si tu connais Dieu, tu ne peux pas être de Dieu et être dans la discrimination. Tu ne peux pas être de Dieu et être dans le tribalisme. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On nous parle par exemple d'un Jésus blanc, mais nous par exemple, nous y croyons par la foi. Moi je m'en fous qu'il soit blanc ou noir. Ce qui m'intéresse, c'est le sang rouge qui a coulé pour sauver l'humanité. Et ce sang rouge que je partage, que j'ai aussi en héritage. Donc les tribus, les continents, et la couleur de la peau, ça ne m'intéresse pas. Ça ne devrait pas intéresser quelqu'un qui parle de ça. Ce qui est bizarre, c'est que tu vois même les hommes. Les omelettes sont pas les hommes, parce qu'un homme qui vient menacer, tu vois les omelettes des bambis ce soir, non, les petits noyaux qui viennent. Hey! On voit les omelettes qui viennent la menacer. Les omelettes là ont des petits, petits noyaux. Donc, ce que Katine appelle les cloches, les clochettes. Ma chérie, tu as vu les noyaux de ces hommes là où? Du n'importe quoi. Tu as vu les noyaux de ces hommes là où? Toi-même, tu peux parler à une femme. Toi-même, tu vois que c'est un truc de femme. Envoyez les femmes. Et quand vous envoyez les femmes, envoyez les vraies femmes. Alors, je vous dis le style de personne que je veux dialoguer avec. C'est pas la guerre. Je veux le dialogue. Moi, j'instaure le dialogue. Le style de personne que je veux dialoguer avec. Maman. Mm-mm. Donc, lâche personne. On cause. J'instaure le dialogue. Envoyez-moi une fille, une femme, moins de 33 ans. Mère de moins minimum 2 enfants. 20... Donc tu as 33 ans. Hein? Ah, mais tu sais que tu es vraiment belle parce que tu es là comme si tu avais 18 ans. La femme doit avoir moins de 33 ans et la femme doit avoir 67 kilos. Maman, maman, je dois perdre combien de kilos alors? Vous n'avez pas écrit, je ne vous dis pas alors. Si vous n'écrivez pas, si vous ne proposez pas, je dois perdre combien de kilos pour avoir 67 kilos? Maman, mission impossible. Ou bien... Entre blanc, corps bien ferme, sans vergeture. Maman, aïe, maman, sans vergeture, oh, maman, les conditions de ça. Maman, le défi de ça. Maman, corps bien ferme, le corps doit être ferme, sans vergeture. Mère de plusieurs enfants,
67 kilos, 33 ans. Bon, 33 ans, je ne peux plus avoir 33 ans. Je fais alors comment? Hein? Et si on est en bain, il n'y a même pas moyen de ramener l'acte de naissance. Qui a un emploi chef d'entreprise qui est clair de peau sans gens sans. Bon, moi, je suis sombre de peau. Donc, là-bas, j'ai perdu déjà. Donc, sans gens sans. Mais bon, je suis sans gens sans. Mais je ne suis pas clair de peau. Je suis, bon, peut-être chocolat. Bon, peut-être. Et qui peut assumer ses vrais cheveux? Vous me l'envoyez, on va dialoguer. Tant que vous n'avez pas ce style de personne pour venir me parler, ça. Ma chérie, ton dialogue là va changer quoi au Cameroun? Moi, ma chérie, tu veux d'abord dialoguer avec qui? Tu connais les classes de femmes qu'il y a dans la résistance. Et puis ton dialogue là, c'est le dialogue inclusif. Va demander à Paul Biya d'organiser un dialogue inclusif. On va dire une femme qui répond à ces critères, qui a 33 ans, qui a plusieurs enfants, qui a 67 kilos et autres, qui a peut-être ta taille. Elle va perdre le temps pour venir dialoguer avec toi, te dire quoi? Hum? Pour te dire quoi? Que non, on n'insulte plus. Insulte, mais tu seras aussi insulté. Parle, mais on va te répondre. Donc, on va venir. Ça c'est te donner trop d'importance. Qui va prendre son temps là pour dialoguer avec toi? Mais non! Quand tu as insulté là sur Facebook, on te répond aussi sur Facebook. Ça suffit là. Tu es qui, Onesa, pour qu'on vienne dialoguer avec toi? Hum? Tu représentes quoi pour qu'on vienne dialoguer avec toi? Est-ce que le dialogue là va arrêter la guerre? Hum? Demande à celui que tu supportes apparemment, puisque vous vous prenez pour les propriétaires du Cameroun. Demande-lui d'organiser un vrai dialogue afin que la guerre cesse, pour que les mamans ne pleurent plus leurs enfants. Pour que les mamans camerounaises ne pleurent plus leurs enfants. Parce que ton problème, c'était de dire que le soldat qu'on a tué n'a pas une mère, n'a pas une famille. Pour que les mamans ne pleurent plus leurs enfants, demande à ton champion d'organiser un vrai dialogue. Ayoub Tabe est en prison, on le sort de prison, on appelle Maurice Kamto, on appelle toutes les parties en belligérant parce que les tensions qu'il y a au Cameroun, c'est à cause du hold-up. Parce que le peuple se sent violé, viol de la constitution, vol des élections, hein? Maintenance au pouvoir, à vitam aeternam. Hein? C'est toutes ces choses-là qui créent cette tension. S'il y avait eu alternance au sommet de l'État, la tension aurait baissé. Parce que le peuple camerounais se sent arnaqué. C'est ça qui est le problème. Il n'y a pas d'autre problème là. Et s'il y avait eu alternance au sommet de l'État, peut-être même que les anglophones, la guerre se serait arrêtée. Parce que ce qui est sûr, Maurice Kamto est pour le fédéralisme. Et peut-être que le fédéralisme les aurait arrangés. Mais au jour d'aujourd'hui, plus le temps passe, plus ils perdent des personnes, plus ils deviennent encore radicaux. Et beaucoup aujourd'hui sont pour la sécession. Parce que même pas sur les vidéos de ce drame-là, qu'est-ce que j'appelle drame, de cette tuerie-là, de cette petite fille, je suis comment quelqu'un dit, sortons, sortons, Ambaland, ou c'est Ambaland must be free. Un truc comme ça, l'Amazonie doit être libérée. Donc les gens ne parlent plus en termes de... Les gens parlent de plus en plus en termes de sécession, indépendance. Ça ne sert à rien parce que vous allez faire la réunion du village, ça ne va en fait... Ça ne... Voilà, ça passe pas en fait. Ça passe pas. D'accord? Ça passe pas. Dès que vous trouvez le style de personne là, parce que je vois qu'il y a déjà certaines femmes là, j'ai vu l'autre qui me disait, parce que tu mets les lunettes, nous-mêmes on achète ça, à Wanzo, je ne sais pas si tu sais lire, ça s'appelle Céline, je ne me vante jamais. Ma paire de lunettes coûte 450 euros, ce que je portais l'autre jour, ce que j'ai accroché ici là. Mais elle te sert à quoi cette paire de lunettes à 450 euros? C'est la bêtise. Moi, je ne vais jamais acheter une paire de lunettes à 450 euros. Je suis malade. Parce que je suis tontinade. Bon, maintenant, tu as des lunettes de 450 euros. Mais tu ne vois pas clair, ma chérie. Tu vois flou. À quoi te servent ces lunettes? Hein? Parce que si c'était peut-être des lunettes qui donnent de l'intelligence. Hein? Si c'était peut-être des lunettes qui donnent un certain discernement. Oui, je vais les acheter. Mais si c'est juste pour... si c'est juste pour se protéger du soleil. Mais...
Et les lunettes de 10 euros protègent aussi du soleil, hein? Des rayons de soleil. Les lunettes de 20 euros protègent aussi. Je prends 450 euros, je mets dans les lunettes. C'est la bêtise. Autant de choses. Voilà pourquoi nous, nous sommes dans la révolution. C'est tout ça que moi, par exemple, je critique. Qu'est-ce que quelqu'un fout avec les lunettes de soleil de 450 euros? Parce qu'on a quelqu'un a écrit son nom ici, là. Hein? Moi-même, je peux griffonner mon nom, là, chasserie. Hein? Donc, c'est autant de choses. Nous, on n'est pas dans ça. Nous, on veut construire le pays. Mais vous nous empêchez. Nous sommes devenus la risée du monde parce que vous pensez que le Cameroun vous appartient, c'est votre propriété. Nous, on veut changer ce pays-là, qu'il y ait des routes un peu partout, qu'il y ait des écoles un peu partout, qu'il y ait un système de santé solide. Pour que nous puissions avoir notre réputation, pour que nous soyons reconsidérés, parce qu'aujourd'hui, le Cameroun est la risée du monde. Que tes lunettes soient à 1 million, à machin, c'est du n'importe quoi. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Et tu appartiens à ce monde-là, de ces femmes-là qui viennent se pavaner sur la toile avec des sacs Coco Chanel qui coûtent 7 000. Pourtant, elles n'ont pas de domicile. Dans la révolution, on reconnaît les priorités. Autant avoir un domicile, rester même affamé pour sa propre dignité, son propre respect. Qu'est-ce que quelqu'un fout avec les lunettes de soleil de 450 euros? Pour faire quoi? Si c'est même des lunettes de lecture, je peux comprendre que, bon, peut-être la qualité ou je ne sais quoi. Si c'est juste pour bloquer les rayons de soleil, là, mais pour 10 euros, ça fait le même travail, ma chérie. Et la révolution, c'est que on doit être dépendant. On doit être indépendant de ces choses-là. De ces choses-là qui ont des noms, qu'on appelle marques. Avec lesquels vous venez vous vanter sur la toile et vous détruisez la jeunesse. Il faut dire à la jeunesse que quand on a un certain âge, on économise. Ici, là, en Europe, tu vas voir des blancs qui, apparemment, en route, n'ont pas l'air d'être des personnes importantes. Les Européens, hein, les blancs en général, blancs, blanches. Parfois, même, on a même l'impression que c'est des gens sales. Mais va chez lui, tu vas respecter. S'il a un petit appartement, tu vas voir la propreté, le rangement qui est à l'intérieur. Et va voir son compte. Mais il a une basket de 15 euros au pied, qu'il lave de temps en temps. Mais nous, les Camerounais, vous allez voir des gens qui viennent dans des soirées, qui mettent des costumes de 3 000 euros, de 4 000 euros, qui ont des paires de lunettes de je ne sais quelle marque, qui ont je ne sais quoi et tout, et tout, et tout. Mais dans leur compte, il n'y a rien. Le lendemain, parfois, ce sont les mêmes qui demandent 10 euros à tel, 50 euros à tel. Moi, je critique ça. Et c'est justement ça la révolution dans laquelle nous sommes. Pour ceux qui la comprennent, peut-être comme moi, je la comprends. C'est justement pour ça que vous m'énervez. Quelqu'un me demandait, pourquoi tu fustiges toujours les filles de la toile? Pourquoi tu ne les aimes pas? Et j'ai demandé à cette dame qui me posait cette question, que donne-moi un argument pourquoi je dois les aimer. Je ne peux pas les aimer, elles ne soulèvent aucun problème de notre société. Elles sont là en train de vendre le rêve à la jeunesse, en train de dire aux gens comment il faut porter les sacs de 7 000 euros, de 10 000 euros. Elles ne disent pas là où elles travaillent. Et même quand on travaille, vous travaillez plus que qui? Vous connaissez le nombre d'ingénieurs que l'Allemagne a? Mais je ne connais pas, même parmi notre promotion là, quand une femme, une fille qui a étudié ici en Allemagne veut... Elle est folle. Quand elle veut devenir folle, elle peut encore aller même jusqu'à 300 euros pour un sac. Mais je n'en connais pas beaucoup. Donc c'est justement ça. Vous n'avez pas encore compris. Vous ne comprenez pas. Je ne dis pas de ne pas se faire plaisir. Mais pour moi, je veux sortir, il y a les rayons de soleil qui m'embêtent. Mais il y a des jolies paires de lunettes. Un compte le rayon de soleil à 10 euros, à 20 euros. Pourquoi il faut d'abord aller prendre celle de 450 euros? Bon, si tu as tes grands moyens, par exemple, un Samuel Eto'o, on peut comprendre. Mais il y en a qui vont l'acheter pour 450 euros alors qu'il vit chez toi. Et quand tu lui dis de partir, ça devient un problème. Fausse priorité. Non, je vais te le dire, je n'ai pas acheté son marché. Avant de vous attaquer aux personnes, allez vous renseigner ce que moi j'ai fait à mon jeune âge. Je ne suis pas vieille. Ce n'est pas parce que je suis intelligente que vous croyez que je suis vieille. Est-ce qu'une vieille, quand vous-même vous me regardez. Donne ton âge, non?
Oh, ça se voit que tu n'es pas vieille. C'est juste que j'ai vite mûri. Non, vous comprenez? Tu n'as pas vite mûri. Tu as vite connu les choses. On se comprend. On est tous nés en Angola. On se comprend. Je vous dis que la majorité des filles que vous allez voir comme ça, Betty Boulou, c'est des filles que 10 ans, elles connaissent déjà les mauvaises choses. Elles connaissent toutes les dimensions, les calibres, de tout. Et c'est ça que... Parce que dès que tu fais ça avant un certain âge, là, ça te rend sèche comme ça. Oui, elle dit qu'elle est intelligente, Hora. Mais tu veux qu'elle dise quoi? Elle n'est pas intelligente. J'ai vu comme si elle avait 300 000 abonnés. Vous allez donc me dire qu'elle est conne. Ou elle est intelligente et les 300 000 sont intelligents. Ou elle est bête et il y a 300 000 moutons qui sont abonnés à sa page. Voilà pourquoi nous avons encore trop à faire dans cette révolution. Même Niamsou à Cameroun, même J.Point Rémy, qu'on a 700 000. N'ont pas autant d'abonnés. Elle raconte souvent quoi? Aujourd'hui, elle ne parle pas avec l'accent. Elle parle normalement. Mais quand elle va vous prendre les femmes données aux hommes, il faut faire, c'est quoi? L'homme te demande quoi? Il faut donner aux hommes. Quand l'homme demande, il faut donner, vous serez trop. Voilà, elle raconte de 10 minutes et puis elle est parfois à 50 000 vues, à 100 000 vues. Mais si elle n'est pas intelligente, qu'est-ce que ces 300 000 personnes font abonnées chez elle? Elle est intelligente, et aura. Je suis désolée. Dynamique. Oh, et cancre. Je suis cancre, mais je suis très dynamique. Chef d'entreprise, je travaille dans le gouvernement. Non, pas le gouvernement. Vraiment, tu es vraiment et cancre. Chef d'entreprise, je travaille dans le gouvernement. Est-ce que ça fait un sens? Chef d'entreprise, je travaille dans le gouvernement. Ou tu es chef d'entreprise, ou tu es employé normal, ou tu es fonctionnaire. Mais chef d'entreprise, je travaille dans le gouvernement. C'est comique. Gouvernement dans l'État, parce que j'ai un diplôme d'État. Elle a changé, je travaille dans l'État. Donc tu es peut-être une fonctionnaire. Dis que je suis fonctionnaire. Tu peux être chef d'entreprise et travailler pour l'État dans le sens où, avec l'État dans le sens où tu gagnes peut-être des petits marchés et autres. Mais chef d'entreprise, je travaille dans l'État. C'est bizarre, hein? Là, tu fais quoi? Je suis coach de vie. Je donne les conseils. J'arrange les mariages des gens. Elle est coach de vie. Elle donne les conseils. Elle arrange les mariages des gens. Maman, hein? Bon, on peut le faire, hein, même sans être marié. Il y a des gens qui ont une certaine sagesse, une certaine tempérance, qui peuvent quand même sans être marié, conseiller certains couples. Tout dépend de quelle ouverture d'esprit tu as et autres. Et les expériences que tu as toi-même vécues, même au niveau du voisinage. Mais, vraiment. Eh bien, oui, hein, vous voulez quoi? Une mère de famille. Je suis une femme. Je n'ai pas eu des bases en français, je me débrouille en français, mais j'ai quand même eu un diplôme d'État et je travaille. Je n'ai pas eu les bases en français, je me débrouille en français, c'est bon, c'est vrai. Et je travaille dans un hôpital. Médecin. Et pas dans n'importe quel service. Renseignez-vous. Ceux qui disent qu'on balaye le sol en réanimation. Renseignez-vous, même le balayeur de sol doit avoir minimum un baccalauréat. Rien. Du n'importe quoi. Donc, comprenez que là encore réfléchir, d'accord? Mais moi, je ne parle pas aux femmes. Avant de parler, sois bien là. Ventre plat, j'ai dit. Maman! Ventre... T'es quoi? Avant de parler, ton ventre doit être plat. Maman, oh. Donc, maman, aplatissons nos ventres vivants. Renonçons aux gigoses vivants. Achetons la ceinture chez la rose vivant. Aplatissons nos ventres, oh. Parce que les défis de ça sont de taille. Ouais, que n'importe quel criquet va venir parler aux femmes de la révolution ou bien aux gens de la révolution. C'est terrible, hein? Plein, sans vergétule, oh. Sans gens, sans pas de faux ongles. Non, non, non. Pas les trucs qu'on a rasés si on a mis le tatouage. Non, oh. Non, non, non. Si tu as fait le gens sans, tu es déclassé. Cherchez une qui naturellement naturel, je dis que j'enlève, j'ai les cheveux. Me voici, Hora. Moi-même, j'ai les cheveux. Hora, naturel, naturellement naturel. Je veux
regardez, ce sont mes cheveux. Zéro, mon Dieu. Je n'ai pas de mon Dieu. Zéro, mon Dieu. Ne m'amenez pas une femme qui a la calvitie pour venir me parler. Je veux... La petite fille, hein, ce n'est pas pour rien que sa bouche est tordue. C'est sûr qu'elle avait reçu un coup de poing. Ce n'est pas pour rien que sa bouche est tordue comme ça, comme une louche. C'est sûr que quand elle était petite, on avait donné une pume coup de poing. Elle dit qu'on ne doit pas lui amener une femme qui a la calvitie. Quand j'ai suivi ça, je me suis dit que merde, comment on peut? Elle n'a pas d'argument. Elle a voulu s'essayer dans le domaine politique. Elle a vu que ça brûle, ça brûle. Elle n'a pas les arguments politiques. Maintenant, elle a ramené le débat au niveau de l'aspect physique. Hein? Et elle pense qu'elle a un physique, bon, tu n'es pas mal, hein? Mais franchement, bon, heureusement que Mbengsi sauve beaucoup de personnes. Parce que nous, au Cameroun, on connaît, hein? On connaît les femmes qui ne passent pas au Cameroun. Quand tu es trop maigre au Cameroun, non, les Camerounais aiment la chair. Mais bon, comme Mbengsi sauve les gens, généralement, les blancs même cherchent toujours les laits de filles. Quand moi, je vois la majorité des filles mariées aux blancs, vraiment, c'est rare. C'est rare, les filles comme les Maureen, l'Africaine, comme ça. Il y a les blancs qui ont quand même l'œil. Mais il y a des blancs que vraiment, c'est ce qu'on ne veut même pas voir au Cameroun que lui prend. Bon, heureusement que Mbengsi sauve aussi, hein, quand même. Ce n'est pas du clash. J'ai dit qu'on va parler, on va dialoguer. J'ai envie de dialoguer avec parmi vous là, comme vous avez déjà formé une petite boule de femmes que vous voulez me, c'est pas vous voulez m'intimider. Ma chérie, on ne t'intimide pas. On te répond argument. Hein? On te répond argument. Tu es allé trop bas. Que le soldat a fait quoi? Tu n'as même pas pensé à la petite que le soldat a tuée. Tu n'as même pas regardé ce qui s'est passé pour que le soldat soit battu à mort ou bien lapidé. Tu vois un peu, dans ton analyse, tu peux prendre un penchant, mais au moins analyse un peu tous les aspects. Tu ne peux pas quand même ignorer totalement la petite qui a été tuée alors que tu te dis mère d'enfant. Est-ce que tu t'es représenté que un temps soit peu que ça pourrait être ta fille, ça pouvait être ta fille que tu accompagnes à l'école et puis une balle est tirée et puis ta fille perd toute la tête. Ta fille a le crâne qui est explosé. Comme si c'est un obus qu'il avait tué. Donc c'est de ça qu'il est question. Il n'est pas question ici. C'est pour ça que j'ai dit recadrons le combat. Hein? Le combat dans lequel nous sommes là, c'est que toi, à ton âge-ci, avec les connaissances que tu as là, tu pouvais diriger quelque chose au Cameroun. Mais tout ça a été confisqué par une clique de vieillards apparemment que tu supportes parce que peut-être tu es né dedans. Et tu n'arrives pas à te défaire. Nous autres, là, on a d'abord fait la révolution dans la propre famille. Oh. Pendant des mois, hein, les parents, les frères et sœurs ont essayé de... J'ai dit que, pardon, laissez le tout si c'est mauvais. Chacun, à un certain moment, parfois, se déshabille. Bah, c'est même le fou. Il y a des jours où le fils, le fou s'habille. Hein. Hein? Donc, même les gens les plus calmes, à un certain moment, ils en ont ras le bol et ils rentrent dans le combat. C'est de ça qu'il est question. Mais il y a des gens qui sont nés dans des systèmes. Au fond, même quand tu causes avec eux, eux-mêmes, ils reconnaissent que le système a des problèmes ou bien que le système, le bilan du système est irrecevable. Mais ils n'arrivent pas à sortir de ce système parce qu'ils ont peur du regard des parents, des frères et sœurs. Hein? C'est de ça qu'il est question. Et je crois que peut-être c'est ton cas. Et le tribalisme, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pris ta position dès qu'ils ont entendu que le soldat qui a été lapidé s'appelle Mbogo. Et ça, c'est l'esprit du village. Vous n'avez rien à chercher ici en diaspora. Vous devez rester dans vos villages. Nous, on n'est plus dans ça. Même si c'était un Banen qui était mort, moi, j'allais dire qu'il a mal fait de tirer. Rien ne lui donnait l'autorisation de tirer. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucune raison pour laquelle on puisse donner la mort. Il n'y a aucune raison. Franchement, même si on veut défendre quelqu'un, quand il y a mort d'homme, première des choses, tu as tort. Avant de chercher à comprendre, tu as d'abord tort parce qu'il y a mort d'homme. Hmm? Donc, c'est ça le problème. C'est un être humain qui est mort.
Mais je pense que beaucoup sont dans la position où, comme, et puis j'ai vu aujourd'hui, je sais pas, je passais là, je crois que j'ai vu quelqu'un qui est mort du côté de soi, je sais pas s'il a été assassiné, on suppose qu'il aurait été assassiné. Apparemment, c'est quelqu'un qui portait la tenue anglophone et qui allait du côté de soi, et je ne sais pas si cette information-là sera vérifiée par la suite ou bien confirmée par la suite. Parce que bon, si on l'a assassiné juste parce que c'est des petits bandits qui voulaient prendre un peu d'argent comme d'habitude, ou bien si on l'a assassiné juste parce qu'il fallait venger le soldat qui a été lapidé à Bouéa, bon, moi je ne sais pas. Mais je crois que j'ai vu un truc comme ça, où un jeune homme anglophone a été assassiné du côté de Bouéa. Bon, je ne sais pas encore, il n'y a pas, apparemment, je n'ai pas encore suivi si c'est confirmé ou pas. Mais le corps était là, gisait sur la voie publique. C'est de ça qu'il s'agit. Au lieu de mettre une jolie robe, de venir nous montrer tes formes et autres, il fallait plutôt aller chercher les arguments, je sais pas, dans les réseaux sociaux ou je ne sais où. Et tu venais répondre avec un argumentaire politique. Puisque quand tu parles des talibans, on est devenu taliban par rapport au hold-up électoral. On est devenu taliban par rapport à la résistance. Donc c'est un problème politique. Tu devais venir ici, que ce soit en cabas ou quoi, tu viens nous déposer les arguments politiques. Mais maintenant, tu as rabaissé le débat au niveau de l'aspect physique. Qu'est-ce qu'on a à foutre de ta beauté physique? Si tu te penses trop belle, présente-toi au concours de Miss Univers. Vous avez vu comment la Sud-Africaine nous a honorés. Elle a été Miss Univers. Peut-être que tu seras la prochaine Miss Univers, mais 1,67 m, c'est très peu pour postuler. Je crois que c'est à partir de 1,72 m. Donc, tu es même déjà éliminée d'office. Entre vous, même pour écrire intimider sans problème, vous allez porter le direct si vous allez le malaxer. Je vous dis, moi, je parle moi, je ne parle pas vous. Je parle pour moi et je ne mets pas mon ethnie derrière. Parce que moi, là, ce que je voulais dire, j'ai dit ça pour moi. Je n'ai pas dit ça pour vous et que ça rentre dans vos oreilles une bonne fois pour. Elle dit quoi? Tu n'as pas dit ça pour nous comment? Quand tu dis que les talibans sont crasseux, mais tu nous as impliqués tous ceux qui sont dans la lutte. Parce que si tu n'avais pas parlé de Valsero, on pouvait dire que bon, voilà, elle confond les talibans peut-être au Bamileke. Et même encore là, ce serait toujours du tribalisme. Au nom de quoi tu penses que tout un groupe ethnique est crasseux? Eh ben non. Les personnes crasseuses, il y en a partout. Les personnes propres, il y en a partout. Donc, dire que tout un groupe ethnique, même si tu avais dit que les Bamileke, mais quand tu dis que les talibans, votre chef Valsero, mais ça veut dire que tu as mis tous ceux qui sont dans la résistance. Conclusion, puisque ces deux grands blocs, entre ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont dans la résistance et ceux qui veulent que les choses changent. Donc, clair, puisque si tu clashes ceux qui sont dans la résistance, ça veut dire que tu es du parti au pouvoir. Tu ne peux plus te vouloir te présenter comme neutre. Vous êtes vous dit que votre neutralité, là, ça n'existe pas. C'est la neutralité, moi, je la définis comme étant l'hypocrisie de quelqu'un qui a du mal à se positionner pour ses intérêts, pour pouvoir être bien avec tout le monde. Et moi, c'est des gens dont j'ai plus peur que quelqu'un qui se positionne. Je préfère avoir un sardinat dévoilé que quelqu'un qui me dit « je ne fais pas la politique ». Moi, tous ceux qui me disent « je ne fais pas la politique », je ne les fréquente plus. Je préfère le sardinat qui me dit « bon, je supporte Paul Biya, il donne ses raisons, même si ses raisons ne tiennent pas debout », que celui qui me dit « je ne fais pas la politique », moi, je ne fais pas la politique ». Non, ce sont les hypocrites. Vous avez pris la partie que vous n'avez pas, je ne sais pas qui vous a rangé. Vous avez monté les vidéos, vous avez envoyé à tous vos frères du village. Moi, je n'ai pas le temps d'appeler les frères du village. Moi-même, toute seule, je suis un camion de ce que vous faites là. Je. Voilà, bon, quand tu dis qu'on a appelé les frères du village, moi je ne suis pas du village, personne ne m'a appelé, mais on voit ça sur les réseaux sociaux. Donc, mais ce sont les mêmes frères du village là qui regardent tes vidéos, non, qui partagent, non. Tu andèmes, ma chérie, quand tu andèmes, reste seulement tranquille que tu andèmes. Ça ne sert à rien de vouloir faire le gros dos et autres. Moi, je ne suis même pas pour qu'un jour en route, qu'on te porte main ou je ne sais quoi. Il y a des moyens du droit, nous sommes dans des sociétés de droit, hein. Hein, je crois qu'une manifestation devant ton immeuble te présentant comme étant quelqu'un de ferait peut-être du bien. Ou bien à ton service. Bon, ton service, c'est difficile parce qu'un hôpital, bon, avec les malades et tout, c'est un peu difficile. Mais sinon, je pense que si on commence à faire des choses comme ça, on n'a même pas besoin de te toucher. C'est pas la peine que tu dises que oh, tu marches poitrine bombée.
Après, j'ai même suivi une de tes vidéos où tu disais que il y a la police partout et tout, et on est en sécurité ici, vous ne pouvez rien me faire. Justement, mais tu jouis de cette sécurité que les autres ont passé le temps à bâtir. Tu jouis de cette liberté parce que il y a eu la tête du roi qui a été coupée pour qu'on passe de royaume à république, hein? Ah ben oui! Et c'est ce que nous voulons faire au pays. Que les corps, beaucoup de corps de métier, surtout comme l'armée, soit une armée professionnelle et d'éthique, où on ne va pas passer le temps à demander les 5 500 aux gens. Où on ne va pas passer le temps à rafler les gens, à aller les mettre dans des commissariats. Et j'ai entendu, soit l'étoile caribienne dit que Paul Biya n'a rien à faire dans ça, tout ce qu'on fait, on veut mettre Paul Biya. Mais c'est tout à fait normal, le poisson pourri par la tête, lorsque ça ne va pas, c'est le chef de famille. Qu'est-ce qui se passe généralement lorsqu'on cause avec un enfant ou bien lorsque un enfant se comporte mal? Quel que soit l'endroit, le milieu, même ici en Allemagne, première des choses qu'on dit, c'est il est mal éduqué. Mais quand on dit il est mal éduqué, ça veut dire que la faute revient à qui? Aux parents. C'est la même chose que nous disons que ce policier-là était mal éduqué et la faute revient à qui? À celui qui est le chef des armées. Donc vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas Paul Biya, ce n'est pas ceci. Non, on ne peut ne pas. On ne peut ne pas, parce que tous ces problèmes-là sont liés. Qui ne sait pas au Cameroun que généralement, à l'approche des campagnes électorales, on envoie des équipes racketées prendre les gens. Je vous expliquais comment j'ai fait la cellule. J'ai fait quelques heures de cellule au Cameroun. De manière abusive, je raccompagne une amie, on me prend, on me jette dans la sans payer. Comme j'ai toujours été un peu forte là. Donc, pour me faire même monter là-bas, ce n'était pas facile. Ils nous poussaient comme ça, ils poussaient les fesses. J'avais toujours tendance à sortir. Ils nous ont molestés, ils nous ont mis dans la santé, ils nous ont amenés. Mais c'est parce que du haut, depuis le haut, on leur demande de l'argent. Et quand ils envoient les éléments dehors, les éléments rentrent avec l'argent, ils donnent l'élément qu'on a envoyé dehors, donnent la part du commissaire, le commissaire garde la part du divisionnaire, le divisionnaire va aller verser ça, je ne sais qui, chez le gouverneur. Tout le monde connaît ces pratiques-là. Et vous allez dire qu'on doit accuser qui? Pourquoi c'est comme ça? On envoie les patrouilles racketter chaque fois. Que ce soit les congrès extraordinaires du RDPC. Quand ils veulent organiser leurs choses et qu'ils n'ont pas d'argent, ils envoient dans les. Et même dans les lycées, c'est le même système. Tu arrives dans le lycée, le proviseur qui a été nommé a peut-être été nommé par rapport à un tel qu'il a coté, qui serait peut-être son parent. Donc chaque rentrée, il doit faire l'enveloppe de celui-là qui a fait qu'on le nomme. Sinon, il a peur l'année prochaine d'être enlevé. Et celui-là va aussi aller donner la part du ministre. C'est comme ça que ça. Et il faut que ça change, tous ces systèmes-là. Il faut que ça change, tout le monde le sait. Marche sur Paris, je dis tête haute, poitrine bombée. Je vais vous prouver que je suis petite fille de militaire, capitaine de l'armée française. Je vais vous prouver que ce que vous. Petite fille de militaire, capitaine de l'armée française. Voilà, donc son grand-père était un capitaine de l'armée française. Donc, probable, un colon, en fait, c'est ce que ça veut dire. Son grand-père était un colon. Donc, elle vous dit clairement que, vous savez, j'ai suivi un très beau direct du professeur Niamsi qui démontrait que l'armée camerounaise n'est que armée camerounaise de nom, comme la majorité des armées, puisque nous ne sommes pas, en réalité, nous ne sommes pas indépendants. Donc, ce n'est qu'une continuité des armées coloniales. Voilà pourquoi leur problème, c'est seulement de fouetter. Fouetter, fouetter. Leur problème est que l'armée a toujours vu les autres citoyens comme étant des esclaves. Qu'il faut taper et tout. Ils ne connaissent que taper. Le reste là, ils ne connaissent pas. Et elle vous dit qu'elle est petite fille d'un capitaine de l'armée française. Mais, donc, voilà pourquoi elle l'a pris. Elle aurait pris, en fait. C'est ce que ça veut dire. Voilà pourquoi elle aurait pris parti pour le soldat mort. Donc vous comprenez donc que c'est une fille dont la famille est trempée dans le système, comme la majorité de nos familles, mais qui ne peut pas se départir de ses positions. Il y a beaucoup de gens qui sont sardinards, hein, mais eux-mêmes, quand un cas comme ça arrive, eux-mêmes ils disent que oui, ils ont eux-mêmes honte, ils n'en parlent même pas. Et une chose est d'être sardinard, mais une chose est de vouloir venir narguer les gens.
Vous venez vous présenter le soldat comme étant un ange, comme s'il était juste au carrefour comme ça, en train de diriger la circulation ou bien de faire un contrôle et puis la population est venue le lapider. Non! Vous oubliez ce qui s'est passé avant. La population le lapide. Pourquoi? Je l'ai dit l'autre jour dans mon direct. Parce que la population n'a plus confiance en son appareil judiciaire. Combien de fois on arrête certains bandits dans les quartiers? On les remet à l'État, pensant que l'État va les corriger, puisque la prison s'appelle aussi centre correctionnel. C'est-à-dire quelqu'un va purger sa peine. Corriger ici ne veut pas forcément dire taper. Quelqu'un va purger sa peine et après, quand la personne sortira, ou bien si la personne est condamnée à vie, hein, ça va un peu mettre la société en sécurité. Mais vous voyez, vous arrêtez un grand bandit, le bandit te dit même que quand je vais sortir, je t'ai remarqué, tu vas voir. Quand je vais sortir, tu vas voir. Et vous voyez, après, le bandit sort. Mais comment? Les populations n'ont plus confiance à l'appareil judiciaire. Voilà pourquoi la population exerce cette justice populaire. Hmm? En fait, là, le sang là coule dans mes veines. On ne m'intimide pas. Voilà. Ce sang là coule dans mes veines. Le sang de qui? Le sang du grand-père qui était un ancien un capitaine de l'armée française. Alors, donc on est ici en train de vous dire clairement que elle supporte le gouvernement, puisque les gouvernements de nos pays là, ce sont les chiffons de la France-Afrique. Elle est petite fille de chiffon de la France-Afrique et elle est fière de l'être et ça coule dans ses veines, donc elle doit défendre le soldat. En fait, c'est ce qu'elle est en train de dire là. Si vous venez dans la tranquillité, on va dialoguer. Si vous venez avec les petites intimidations, on va te violer, c'est un nouveau viol. On va te gifler, c'est une nouvelle gifle. Vous savez même, tu connais mon parcours, tu connais mon histoire, tu me connais moi. Voilà. On va te violer, on va faire ceci, les intimidations. On va dire ça pour bien. Qui intimide qui au Cameroun? Normalement, si on avait un gouvernement qui dialoguait, on n'en serait pas là où c'est déjà 20 000 morts. On n'en serait pas là du côté de l'armée, presque 2 000, et le reste du côté des sécessionnistes. On n'en serait pas là. Donc, on est là parce que des avocats, des magistrats, des professeurs... L'élite anglophone s'est levée pour manifester avec l'arbre de la paix à main. Et il y a eu une riposte anormale, anarchique. Et c'est là où ils se sont rebellés et d'autres ont pris les armes. Donc, si le gouvernement avait aussi procédé avec une certaine douceur, une certaine compréhension, un dialogue inclusif, non, mais ils ont fait un simulacre de dialogue, un dialogue, et aujourd'hui, les résultats sont où? La situation ne fait que s'aggraver. Donc, le dialogue n'a servi à rien. À quoi servir ce théâtre-là camouflé en dialogue? Ça n'a servi à rien, c'était juste une fuite en avant. Mais aujourd'hui, l'évidence est là. Tu me connais, moi? C'est l'année comment ça parlait. Et il y a un si bétin, fini un camp. Nya 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 nya, les pleurs partout. Vous pleurez que vous pleurez quoi? Mais bimenemina bilan, vous pleurez quoi? Hein? Quand on dit que c'est le truc des. On se partage les. Les mêmes mobiles là, tu les fais, non? Ce sont des besoins naturels. Les mêmes mobiles là, tu les fais. Bien, on dialogue. Ah bon? Mais c'est pas à nous que tu dois dire ça. Puisque ta sortie, c'était par rapport aux soldats qu'on a tués. Si tu sais, il y a dialogue, va dire ça à Paul Biya. Que le père, ce que tu avais fait là, c'était du n'importe quoi. Fais un vrai dialogue maintenant. Cause avec ces gens-là, qu'ils te disent un peu ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent, leurs conditions, je ne sais quoi, pour que ça s'arrête. Toi, tu veux qu'on dialogue avec toi, que toi, tu es quoi, tu représentes quoi, tu es, si c'est Yuku, Ayuk, tu es Kamto, tu es quoi? Parfois, les petits mots glissent, glissement de mots. Mais tu t'excuses maintenant. En fait, ça, c'est une manière de s'excuser. Elle dit que parfois, les petits mots glissent. C'est un glissement de mots. Bon, en même temps, elle veut s'excuser, mais l'orgueil. Vous voyez, l'orgueil, quand on pense être de ceux qui dirigent le pays. On pense être... Mais Brenda, qui est la fille de Paul Biya, elle n'a pas besoin de travailler. Elle vit dans les hôtels 7 étoiles. Hmm?
Donc, si tu étais trop parmi ceux qui dirigent le pays ou ceux qui se disent je ne sais quoi, ils ne te laisseraient même pas travailler à l'hôpital, même si c'est en réanimation. Que les écancres, j'accepte. Mais vous êtes tellement, je sais pas en fait. Oui, que quoi, avant de clasher, nous tu fais. Voilà. Elle dit que nous sommes les talibans, quoi, que nous sentons mauvais. Mais toutes, c'est les mauvaises odeurs. Donc, avant de lui parler, il faut d'abord se humer et voir si on sent bon. Voilà. Donc, si on sent bon comme quoi? Comme le bobolo. Quand tu arrives même au Cameroun, la première des choses qui te frappe, c'est la mauvaise odeur. Dès les aéroports, c'est la mauvaise odeur. Mais va dire ça, Paul vient de parfumer le Cameroun. Et il doit parfumer le Cameroun comment? En nettoyant les aéroports. Quand on inaugurait cet aéroport de Simalène, tu allais dans la douche, ça sentait bon, comme les toilettes. Tu allais dans les toilettes, ça sentait bon comme les toilettes de l'Europe. Parce que les toilettes étaient entretenues, sont entretenues ici. Quand tu chasses même, tu vois la mousse sortir parce qu'il y a des savons à côté et tout. Tu laves les mains, les savons là sentent bon, il y a même des trucs pour rafraîchir l'air. Mais quand on arrive, la première des choses, même quand certaines personnes, des membres de la famille viennent t'embrasser, c'est par respect seulement si tu n'arrêtes pas ton nez. Et tu viens dire à qui? Tu viens dire à qui que machin, ceci, ceci. Dis à Paul Biya que le Cameroun sent mauvais. Le Cameroun, quand on arrive au Cameroun, dès que tu sors de l'avion, tu es même encore au niveau de la passerelle là. L'odeur et les papiers qui sont jetés et l'odeur de l'urine et tout. C'est de ça qu'on parle ici. On ne parle pas ici d'individus. On n'a pas un problème particulier avec toi. C'est toi qui te mets en problème. Tu parles de la politique, mais tu n'as pas d'argument politique. Moi, je vous ai dit que j'aurais bien voulu encore rester là et supporter Paul Biya. Mais au fond, je n'ai aucun argument pour le supporter. Je n'ai aucun argument pour le supporter. Donc, on l'a trop aimé, nous tous. Mais il nous a tellement déçus. Le Cameroun est dans quel état? Parfois, tu arrives à l'aéroport, on a coupé le courant. Les toilettes, les toilettes, c'est la catastrophe. On se demande même si ce sont les toilettes d'un aéroport international. Les salles d'attente. Les carreaux, les trucs au sol, dès que ça quitte, on ne remplace pas, on attend que ça s'aggrave. Ici, la moindre chose, le lendemain, on a déjà fermé le trou. J'ai travaillé pour un projet comme ça, où on allait dans les rues, on regardait là où il y avait les trous et tout, on signalait. Après quelque temps, tu voyais seulement, on venait boucher. Parce qu'il ne faudrait pas qu'un petit Allemand, en faisant du vélo, chute et se casse peut-être un membre. Mendip, mendip. Qu'on va dire que bien, pourquoi pas vous s'arrêter? S'il vous plaît, arrêtez. Mendip, mendip. Mendip, mendip. Que le genre que tu regardes comme ça là. Mendip, mendip. Donc, elle dit encore, me dit, donc des crasseux, des gens qui ne ressemblent à rien, que tu regardes, ça ne ressemble à rien. C'est le coaching que vous faites, madame. Tu es revenue. Marcelo, je t'ai bloqué, non? Marcelo, j'étais bloquée. Pourquoi je vous bloque, vous revenez? Pourquoi je vous bloque, vous revenez? Vous avez déjà partagé mes vidéos un jour. Vous avez déjà partagé tout ce que je fais sur la toile un jour. Parce que la majorité de vos pages, c'est la réunion du village. Moi, je vous dis ça. La majorité de vos pages, c'est la réunion du village. Vous ne faites que la promotion des gens de votre village. Et l'idée que moi, j'avais des talibans avant. L'idée l'a changé aujourd'hui. Je sais déjà qui vous êtes. Comme je ne suis pas une Tu fille. ne peux pas parler de talibans et parler de village. La preuve est que toi-même, tu as dit que Valsero est taliban. Valsero est donc Bamileke. Non, Valsero n'est pas Bamileke. Bon, qui partageait tes vidéos avant? Moi, je ne sais pas qui partageait tes vidéos avant. Bon, c'est vrai que chaque fois qu'on parle de... par exemple, si tu recadres quelqu'un qui est de l'Ouest, on ne va pas partager ta vidéo. On partage plus les vidéos où on recadre les gens du centre. Ça, je trouve dommage. Vous me connaissez, moi, j'aime dire la vérité. Ça, je trouve dommage. Il faudrait apprendre à partager toute vidéo qui est pertinente, quelle que soit la personne. Mais bon. Village, vous voulez me montrer que vous voulez miaïne miaïsama.
Je suis une lionne. Je peux vous faire le tour de mon appartement. Vous allez voir, ce qu'il y a au mur, ce ne sont pas les choses que j'ai prises. Ma chérie, bon, ce n'est pas là, on n'est pas à ce niveau. On parle ici argument politique. Donc, après là, ça sera juste le blabla, blabla. Juste pour vous dire que, moi, ce que je vois ici, elle met une phrase où elle fait comme si elle veut s'excuser, mais l'orgueil fait qu'elle revienne encore. Parce que, entre autres, il y a beaucoup de gens qui l'ont appelée. Je vois là même, Suze, SATV, te transmet soit ses félicitations. Bon, SATV, je ne sais pas si c'est Janango TV, je ne sais pas. Donc, il y a des gens qui l'encouragent. J'ai même suivi dans un de ces directs-là, je ne sais pas si c'est celui-ci, où quelqu'un lui aurait écrit que « Si tu t'excuses, je me désabonne. » Et elle a dit « Je ne m'excuse pas. » Donc, elle est comme dans une sorte de prison. Elle voudrait s'excuser, mais les félicitations de certaines personnes l'empêchent. Donc, je vois église parce que si tu ne veux pas t'excuser, pourquoi tu vas dire que c'est glissement de langage, glissement de ceci, glissement de langage veut dire que je n'ai pas voulu dire ça comme ça, excusez-moi ou je ne sais quoi, mais après reviens encore, vous ne me faites pas peur, je suis une lionne et autres. Donc ça c'était un peu pour lui répondre. L'autre vidéo, tout le monde lui avait déjà dit ce que il pensait. Bon, je pense que c'est bon, hein, peut-être. Là, il se fait déjà tard, relativement tard. Bon, moi, je suis en congé, hein. Ici, en Allemagne, c'est les congés d'automne. Donc, peut-être que demain, on fera... il y a un autre gars, là, où c'est Chop, où c'est le Chop, où c'est le qui, là. Parce que, lui, sa vidéo est longue. Et si on la commence, là, maintenant, on ne va pas la finir. Donc, on va encore suivre cette source-là, peut-être 5 minutes. Et après, voilà. Une lionne bien assise, que vous pouvez regarder droit dans les yeux. C'est moi. Vous n'êtes pas née. Les hommes, si vous voulez entrer dans le combat, venez. Nous, on est dans le combat de avec votre général, c'est allô, comment tu vas, pourquoi tu as fait ça comme ça, nanani, nanana, comme deux adultes. Ok, bonne journée, combat, dans le respect. Hé, hey, vous ne me manquez pas le respect. Vous voulez me manquer le respect comment? Toi, tu veux me manquer le respect comment? On se connaît, non. Depuis que je suis en France, vous m'avez déjà vu dans vos... En fait, le bon, c'est qu'ils sont même en train de chercher. On va chercher ou on va t'arrêter. Mais on n'a même pas besoin de t'arrêter. On n'a même pas besoin de t'arrêter ou quoi que ce soit. Mais il y a des manières de procéder pour te mettre mal à l'aise par rapport à ce que tu dis. Et ce n'est pas un problème personnel. On n'en a qu'au foutre. Mais il faut donner des leçons à toute personne qui s'égare. Ce que moi, je voudrais dire ici, c'est ce que j'ai toujours dit, hein. Combattons le tribalisme, quel que soit le côté d'où il vient. Qu'il vienne de ceux qui s'appellent les Kangbeti ou qu'ils viennent de ceux de l'Ouest. Comme je le dis toujours, le Cameroun, ce n'est pas deux groupes ethniques ou bien deux grands groupes ethniques. C'est plusieurs groupes ethniques. Parce que dans l'Ouest, il y a encore d'autres, il y a plusieurs départements et autres. Il y a les Bafang, il y a les Baganté, il y a les Bafoussam et autres. Donc, les Kangbeti, il y a... Bon, pour ceux qui pensent que les Mbamois, non, les Mbamois ne sont pas des Kangbeti. Dans le centre, il y a les Mbamois, il y a les Bassa, il y a les Beti, il y a les Ewondo, il y a les Etones. Bon, les Ewondo, les Etones, c'est les Beti et tout ça. Mais, voilà, c'est généralement les deux grands groupes qui s'entrechoquent. Voilà pourquoi j'ai intitulé ça zone tampon. Nous autres qui sommes de d'autres ethnies, nous devons essayer de ne pas rentrer dans ce jeu. Il faut recentrer le débat, il faut recentrer, recadrer le combat. Le combat, c'est l'oligarchie multitribale, composée de presque tous les groupes ethniques, contre la majorité de la population qui souffre. C'est là le problème. C'est là le problème. Le problème, ce n'est pas Bamileke, ce n'est pas... Parce que on a tué un anglophone, beaucoup de gens disent même, je vois certains directs où des gens disent, oui, les anglophones sont les Bamileke parce que c'est l'Ouest. Et directement, ils restreignent le débat. Et les autres disent alors, ah, ok, comme c'est parce qu'il est Bamileke que vous avez aussi tué le soldat. Hein. Donc ça recadre toujours le débat. Le problème, c'est pas anglophone, le problème, c'est pas Bamileke, le problème, c'est... L'oligarchie multitribale composée de presque toutes les ethnies. Il faudrait peut-être qu'un jour je recherche la liste des préfets et autres pour essayer de vous démontrer ça. C'est-à-dire que dans le gouvernement, on veille à ce que
Les gens aient peut-être un ministre, un directeur général, un ambassadeur, un gouverneur ou je ne sais quoi. C'est comme ça que le Cameroun est dirigé. Et c'est tout ça, c'est pour que chaque groupe ethnique se sente représenté, pense qu'il a un pouvoir. Mais en fait, ce pouvoir-là que certaines autorités ou élites de nos villages ont, ne nous développe pas. Qu'est-ce que moi, ça m'amène? Depuis des décennies, il y a toujours eu des ministres bananes. Mais Ndji Kindom n'a jamais été goudronné. Donc moi, je ne vois pas ce qui a changé là en ce qui concerne mon village depuis 20 ans. Oui, on a des lycées, on a un lycée, je crois, technique, on a un commissariat spécial, on a je ne sais quoi. Mais la route, paraît-il, avait été goudronnée sur les papiers, mais n'a jamais été goudronnée. Donc, qu'est-ce que le ministre de mon village ou de ma famille m'apporte en tant que tel? Non, c'est pour lui, sa nomination, c'est pour lui, c'est pour sa femme et peut-être ses enfants. Mais ça ne profite pas au village en tant que tel. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils pensent que quand j'ai un oncle ministre, ça veut dire que mon village est en haut. Même s'il n'y a pas le développement, je suis bien représenté, un des miens est ministre. Du n'importe quoi, du trompe-l'œil. Donc, peuple de la résistance, peuple de la révolution, merci beaucoup d'avoir été à cette veillée. Comme je vous le dis toujours, tant que quand je me sens... Voilà, bon, n'oubliez pas, faisons le sport. Vous voyez, on nous insulte déjà. Donc, aplatissons nos ventres vivants. Faisons le sport. Voilà, donc, rendons notre peau ferme. C'est une résistance, hein. Donc, il faut être fit. Il faut être fit parce qu'il faut avoir le souffle. Vous voyez comment les petits criquets qui pèsent ces 5 kilos viennent déjà nous manquer de respect. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit. Et s'il plaît à Dieu, ça dépend aussi de... Parce que le direct n'est pas seulement allumer et faire le direct. Il faut être disposé, inspiré. Voilà, c'est qu'on va passer à ce chop-là, ou c'est chop, ou c'est qui là, que j'ai aussi vu son direct. Moi, ce que moi, je décris ici, c'est que lorsque vous voulez prendre des positions, ne prenez pas des positions par rapport au village. Franchement, ça ne nous amène nulle part. Un problème est clair, les Camerounais souffrent et depuis longtemps. Les Camerounais sont muselés, les Camerounais sont emprisonnés. Et nous devons tous lutter pour la libération de notre peuple, pour la libération de notre pays, de cette oligarchie, de ces vieillards qui ont confisqué nos vies, qui de génération en génération continuent de... Parce que le gré à gré est partout. Vous avez vu la liste là, il y a une liste sur la toile là, où on a affecté quelques sous-préfets et tout. Vous avez vu le fils de Femme Ndongo, qui est sous-préfet, soit de Douala 5e. Hein? Vous avez vu un certain Femme quoi là. C'est le fils de Femme Ndongo. Donc, eux, leurs enfants doivent toujours avoir des positions d'autorité, des positions de domination. Si celui-là n'est pas commandant, il doit être colonel, il doit être sous-préfet, il doit être ceci. Et les nôtres, même quand ils ont des diplômes, voilà pourquoi ils ont gâté. Parce que normalement, un pays, il y a le baccalauréat, par exemple, le relevé de notre baccalauréat. Les histoires des concours des grandes écoles, là, le système français, là, ça devrait disparaître. Ici, en Allemagne, il n'y a pas ça. Tu as la note requise, tu as ton relevé de notes. Si ta filière te permet, s'il n'y a pas le numéro classe, ou bien s'il y a le numéro classe, tu envoies tes dossiers et tu attends si tu es retenu. Mais ils savent que si on procède comme ça, avec le relevé de notes, normalement, avant d'aller composer ou bien en composant le bac, les élèves devaient choisir entre trois filières qu'ils voudraient étudier. Si celui-là veut étudier la médecine, s'il veut plutôt polytechnique, il devrait choisir trois grandes écoles qu'il veut intégrer. Et quand, une fois que les résultats du bac sortent, on les oriente dans les différentes écoles selon les places et tout, mais ils ne veulent pas. Ils savent que si on va selon le bulletin, leurs enfants auront des difficultés. Voilà pourquoi ils ont créé les concours pour sélectionner leurs enfants, généralement. Parce que à quoi sert donc le relevé du bac? Un enfant qui a 18 de moyenne, peut-être une série C ou série D, pourquoi il doit encore faire le concours pour entrer au CUS? Donc vous voyez que ces concours-là, c'est pour éliminer les enfants des pauvres qui sont intelligents et prendre leurs enfants. Généralement, c'est quand ils ont fini de prendre leurs enfants qu'ils prennent quelques génies-là qui vont souvent écrire pour que leurs enfants recopient. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est des choses qui doivent changer. Sinon, les Camerounais ne seraient pas médecins en Allemagne. Les Camerounais ne seraient pas ingénieurs en Allemagne.
en Allemagne. Qu'est-ce qui permet aux Camerounais d'entrer dans les filières? Le bac, le relevé de notes. Si on te refuse dans telle université à cause peut-être de ta moyenne qui n'est pas très bonne, on va te prendre dans telle autre université. Ainsi de suite. Vous voyez? Parce que les enfants des pauvres ont les bacs, les licences. Mais comme ils n'ont pas les parents, ils ne vont jamais passer les miens. Sauf très très peu. Comme je vous ai dit, sur 100 élèves, peut-être il y a 10 enfants de pauvres qui sont trop intelligents qu'on prend. Vous voyez? Et ce sont ces enfants-là qui sont, bon, maintenant, après avoir duré, fait les miens une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, il n'a pas réussi. Qu'est-ce qu'il va donc faire? Il va aller donc faire le recrutement niveau CPE. Et c'est lui qu'on va envoyer au front. C'est comme ça que ça se passe. Et il faut que ça change. Donc le problème n'est pas Bamileke et Kang. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que depuis 50 ans, il y a un groupe de vieillards. Il y a quelques familles qui dirigent le Cameroun et qui ne veulent pas que d'autres familles s'épanouissent. Et c'est là le combat. Ce n'est pas un problème de l'étoile caribienne. Ce n'est pas un problème de, comment on appelle, cette sous-eau, la comédienne. Malheureusement, les gens ne comprennent pas. C'est un problème que, oui, il peut y avoir des petits favoritismes, il peut y avoir de ceci. Là où il y a des hommes, il n'y a pas de perfection. Mais quand même, luttons pour que la base redevienne le mérite. Qu'il y ait le mérite. Maintenant, il y a des circonstances atténuantes qui existent dans toutes les sociétés. Par exemple, est-ce que la personne est handicapée? Est-ce que la personne sort de quelle zone? Elle a étudié dans quelles conditions? Il y a cette discrimination positive qu'il y a dans toutes les sociétés. Sinon, Barack Obama ne serait jamais devenu avocat. C'est grâce à la loi de la discrimination positive qu'il a été retenu. C'est comme quand moi j'arrive ici, j'ai été retenu parce que l'année-là, j'étais la seule africaine à postuler dans ma filière. Ce n'est pas parce que j'avais la meilleure note plus que certains Allemands, non. Si on regardait seulement la note, on ne m'aurait pas prise. Mais on m'a admise parce que, en tant que la seule Africaine cette année-là, il n'y avait pas d'autres Africains, il n'y avait rien. Il y a le quota des Africains, on m'a donc admise. Donc, c'est juste pour vous dire que, recadrons, recentrons le débat, ne rentrons pas dans les bassesses. J'ai vu la sortie, par exemple, de la grande sœur Mamouchka, une sortie très, très musclée. Mais, la vérité, c'est que, Mamouchka, je n'étais jamais entendu lorsque Ngangoum déconne. Je n'étais jamais entendu lorsque Dambet déconne. Il faudrait réprimander tout le monde. Lorsque Ngangoum déconne, on voudrait aussi t'entendre. Quand les filles du centre-sud déconnent, nous frappons dessus. Quand les gens de l'ouest déconnent, nous frappons dessus. Mais vous frappez seulement quand c'est l'inquoi. Et ce n'est pas bien parce que c'est aussi une forme de tribalisme. J'aimerais bien aussi t'entendre lorsque Madame Dambet fait tout un direct où elle insulte les autres groupes ethniques. J'aimerais bien vous entendre aussi certaines personnes de l'Ouest. J'aimerais bien vous entendre quand ces gens-là déconnent. Combien de fois est-ce que Madame Dambet insultez les doigts là, insultez les bassins ici. Et même le téléphone, les gens appellent et ils insultent. On ne vous entend pas. On voudrait aussi que vous frappez sur les vôtres. Vous ne devez pas seulement frapper quand c'est les autres. Donc sur ce, je vous dis bonsoir, merci beaucoup et à la prochaine. Donc bye bye. Bonne nuit et s'il plaît à Dieu, demain ou après-demain. Donc dormez bien et bye bye. Faisons le sport. T'es quoi? Bonne nuit. Gute Nacht.